Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle matinée de LCK. On est parti pour du bon League of Legends aujourd'hui, parce que tout simplement, Genji et T1 vont être deux des quatre équipes qui vont jouer aujourd'hui. T1 joueront le deuxième BO face en Nongshim, donc un match normalement largement à la portée des champions du monde en titre, pendant que le premier match, ce sera Genji contre sûrement... le plus gros adversaire possible, l'adversaire le plus terrifiant. Katie, forme de loser après avoir perdu deux matchs contre des équipes de bas de tableau, c'est terrifiant. C'est quoi, absolument quoi terrifiant de mieux pour Genji. Pour venir gâcher la fête, vraiment. Les Katie, les faiseurs de troubles, les fauteurs de troubles et les Genji ont à peu près de quoi s'inquiéter. Mais ouais, c'est vrai que c'est une journée plutôt pas mal. Genji contre Katie, T1 contre Nongshim. On commencera avec les champions de Corée qui ont l'histoire à écrire avec un 18-0 à aller chercher. Ils ont perdu qu'un Nexus jusque là. C'était face au Damwon il y a quelques semaines de cela, donc il va leur rester 3 matchs. Il va leur c'est rester ça. Les KT, les Nongshim et les HLE ouais. Pour clôturer ce speed de LCK. Si on regarde que le classement, on se dit forcément le dernier match de la saison face à HLE. Bon, c'est le plus tendu, ce sera premier contre deuxième. Ouais. Donc normalement c'est là qu'on a peur. Mais Genji, ils étaient déjà dans cette situation où ils pouvaient avoir un beau run, un 18-0 possible au cours du spring. L'équipe qui les a arrêtés, Katie Rolster. Sur un 2-0 assez inexplicable, comme à peu près tout ce que fait Katie Rolster. Et là, dernièrement, les dernières rencontres de Katie... on a perdu contre Kwangdong Freaks 2-0, on a perdu contre les Bros 2-0, mais on a battu HLE également. Donc tu te retrouves avec des KT où tu ne comprends absolument rien. Ils le représentent également comme des KT en crise. Non, la prod LCK a envie de faire mal à Genji. Voilà, vraiment, KT en crise, ils peuvent pas faire pire. Ouais, c'est des KT qui sont forcément effrayants. On aura l'occasion de revenir dessus, mais je sais pas si t'avais au classement là. 5ème, 6ème, 7ème place, le même ratio. Ah mec, on est... Avec 6 victoires, 7 défaites. Ou 7 victoires, 8 défaites. Quoi qu'il arrive, ils sont vraiment en pure égalité, mais on pourra revenir dessus, parce que KT est concerné en l'occurrence. Et donc, Genji, qui vont devoir faire face aux fauteurs de troubles au KT.
Voyons si les KT peuvent venir les désarçonner. Même si tu lis pas, tu sais que la photo a un flow absolument stratosphérique. J'aime trop Keane, MVP de la finale lors du Spring face au T1. Lors de leur victoire 3-2 avec une Game 5 de Xanté. Ouais, c'était... marqué dans les annales. Clairement. Exceptionnel. Donc là, ce qu'on nous précise tout de même, c'est que si Genji prend un Nexus, ils sont premiers de la saison régulière. Bon, personne ne fera les choquer, on les attendait premiers quand même depuis un long moment, mais on valide juste petit à petit. What ? C'est une folie ça par contre. Canyon qui a été 8 fois homme du match avec 8 champions différents. No way. Plusieurs fois homme du match, c'est une chose, mais qu'avec des champions différents, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, il a effectivement 8 points de... 8 alors, points MVP et c'est 8 champions différents. Et il y a pas mal de Karim, il y a quand même Sejuani Hivern dans le lot et tout, c'est incroyable. En vrai, la stat est incroyable. Ouais, c'est vraiment une folie. Parce que forcément, les junglers AP, c'est lui qui les a fait remonter sur le devant de la scène. La Zyra, c'est lui qui l'avait amené et tout. Mais effectivement, il s'est... Enfin, il y a des joueurs qui font en sorte d'arriver challenger avec un seul champion à la fois. Genre t'as le droit de jouer qu'un seul champion, je crois que c'est Showmaker qui l'avait fait, Shovi qui l'avait fait également. Mais genre récupérer des MVP, genre tu sais peut-être ton MVP sur le champion, t'as plus le droit de le jouer. C'est des challenges supplémentaires. Des auto-challenges. Ouais. Les Genji prennent place dans le LOL Park. Dans un premier temps, les champions de Corée, à eux l'honneur. Tout de doré, noir, vêtu, comme d'habitude. Les Genji, Kin, Canyon, Shovi, Paze et Lehens. Bon, du coup, Kin et Lehens qui vont affronter leur ancienne équipe également. C'est tout de même un petit truc à rappeler. Ils étaient l'année dernière chez les KT Rollsters et avaient fait une saison régulière absolument sensationnelle avant d'avoir des difficultés en playoff et un run de Worlds qu'on pourrait qualifier de maudit. Avant de faire un bad choice. Avant de faire un mauvais choix. Vraiment, c'est le Canon Event. Canon Event, vraiment, ils ont pris la mauvaise route à partir du moment où ils ont choisi T1. Beryl qui cook, toujours. Hein. En début de saison, notamment, c'était l'un des premiers à nous sortir Way Support. C'est moins le cas désormais. Je sais que cette semaine, il a pick Shen Support. Ça n'a pas marché, malheureusement, ils ont perdu. Mais ouais. Beryl toujours prêt à nous sortir des nouveautés en bot lane, accompagné de Deft. Ils ont une sacrée line-up également, les KT. Hein. Perfect le rookie avec Piosig, BDD, le fameux BDD. Et forcément, ouais. Key match-up, key players. BDD pas loin derrière en termes de stats. Hein. Ouais, c'est avec quelqu'un qui lui colle au train, c'est bien lui. Hein. C'est des belles stats qu'on voit du côté de BDD. C'est que de toute façon, c'est un très bon joueur en lane. Et je pense que les deux dernières lignes vous montrent tout de même qu'on a un duel de titans sur cette phase. C'est le genre de lane où t'es en mode, ah, s'il te plaît, de la preview. Si elle était de retour, ce serait des datas. En barre à récupérer. Ouais. Bon, bien évidemment, il y a une des stats au Shovi et dans la deuxième moitié des midlaners, c'est la kill participation, mais c'est toujours la même règle. Plus l'équipe est forte, moins les joueurs vont individuellement avoir de la KP. Quand t'es une équipe qui a des problèmes, tu vas juste jouer en 5v5 teamfight et tout le monde va avoir une KP de fou parce que tu ne trouveras pas de play isolé de tous les côtés. Bidi qui a pas mal joué Corki ces derniers temps, qui s'en sort très bien, donc Corki risque d'être contesté. Bidi également un gros joueur de Talia, tout autant que Lechovi. Donc on va voir si Talia peut l'être également, et de toute façon les autres midliners comme Azir, etc. pourraient l'être. Mmh. On rappelle que c'est quand même une méta carry AD au niveau du mid. Chovy aime bien s'amuser dernièrement avec de l'Azeri, avec du Draven, avec ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer au niveau de la mid lane, mais on va forcément y prêter de l'attention. Ouais, Corki, Lucian qui a également été sorti par notre cher BDD, yes. Alors que Chauvin ne l'a pas encore joué. Le Lucian, quand il avait été pris par Genji, a au final été mis bot pour avoir un Lucian Nami. Donc, tout de même à noter que Chauvin ne l'a pas encore piloté. Donc, reste à voir ce qui va être joué. Maintenant, si on prend la théorie des MVP de Canyon, on a plus de jungler AP. Jungler setup, c'est bon, c'est fait aussi. Donc là, c'est une game de Lee Sin Leblanc. C'était QFD. Au premier split, Lee Sin, il nous avait déjà bien servi. Hein. Il nous avait déjà très très bien servi avec son Lee Sin au premier split. Canyon, il était pas loin des 100% de winrate. Le truc, c'est qu'il y a un monde où on voit de toute façon que du côté des KT, la priorité sur les junglers, elle est un peu plus sur des junglers AD. Sur Viego, Vi, Lee Sin. Donc peut-être qu'il y a un monde où Canyon lui répond à peu près dans le même domaine.
Reste à voir si c'est ce à quoi on va avoir le droit. Mais bon, on le sait tous, ça va first pick un vilain Corki. Comme ça, je redescends un peu vos espoirs. Et après, on verra. Corki va être contesté, c'est sûr. Il va être soit pick, soit ban. Et ouais, au Spring Canyon, c'est 12 picks de Lee Sin pour 91% d'une raid, donc 12 picks, une défaite. Sur Lee Sin, vous avez fait très très bien manger. Rien que ça. On va voir ce qu'il va en être. Aujourd'hui, on aimerait bien revoir du Lee Sin. Vraiment, Canyon et Lucid aussi également du côté de Damwon nous ont fait très très bien manger sur le pic. Pic qu'on n'a plus forcément l'habitude de voir. Ban à Evern pour ouvrir. On va aller chercher Piosik dans ses premiers bans. Ok, c'est parti. 14.15 ou non, Rumble sera également retiré. Mm-hmm. Et pour me corriger légèrement, Chevy a déjà joué Lucian, mais ça fait quand même pas mal de BO qui ne l'a pas sorti. Okay, on va remettre ça dans le sens là, mais il en a effectivement 4. Donc bon, pour Chevy qui a 14 Corki et son deuxième champion le plus joué, c'est du coup Lucian à 4 games. C'est tout de même important de noter mon erreur. Donc bon, on va continuer cette draft. Pour l'instant, on retire des champions très prioritaires. Maintenant, il reste un champion sur lequel Genji se jette à chaque fois qu'ils ont le first pick, que ce soit Corki ou Ezreal. Ils aiment beaucoup mettre la main dessus. Après, Ezreal est vraiment très fort, que ce soit dans les mains de Chovy ou de Paze, donc on comprend. Et ça pourrait clairement être un first pick ici. A noter tout de même que Aurora open, elle n'est plus ban, on l'a vu cette semaine en LCK. Et si elle est open, eh bien pourquoi ne pas la pick ? Maintenant, à voir où est-ce qu'elle ira. On connaissait le flex mid-top. On l'a également eu au niveau de la botlane hier. Bon, c'était en IMI, c'est un niveau qui est tout autre. Mais c'est peut-être également envisageable. En tout cas, il y a beaucoup de bons combos qui existent avec Aurora. C'est un champion en compétition, en tout cas, qui reste à découvrir, à creuser. Et Bididi qui va tout de suite s'élancer sur le Corki. Ouais, c'était sûr, on avait envie de se jeter là-dessus. On est très content de son ouverture pour les Katie Rollster. Maintenant, pour les Genji, si on a eu Aurora, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Aurora, Lilia. J'aurais fait MF Rel parce que je pense que Lilia, il y a d'autres choses en jungle qui peuvent permettre au combo de fonctionner. Donc je pense que MF Rel était très bien ici. Après, peut-être que Paze n'a juste pas envie de jouer MF. Ce Draven et Flex, c'est ça qui est bien aussi. Le Draven mid, en vrai. Je sais pas s'il va être sélectionné, mais Paze et Chovy peuvent tous les deux le piloter. Donc je pense que c'est un bon pick. C'est rare de pouvoir blind un Draven, mais tu peux te permettre, je pense. Ok, donc là la première rotation de Genji c'est Aurora, Lilia, Draven et on est là en mode pas normal, enfin voilà, priorité normale. Ils sont là pour éteindre les Genji. Là t'as déjà deux picks AP mais un très très strong AD avec Draven auquel il va falloir jouer autour, lui donner son passif une fois que les stacks d'adoration se seront suffisamment accumulés. On va répondre avec Gnar du côté de Perfect, c'est un excellent blind pick. Il y avait Renekton également de open, mais on va préférer le Gnar pour le top laner des Kaichi. Ouais. Logiquement, il se dit qu'il va affronter Aurora si tout se passe bien en termes de draft, mais le doute est encore permis. Donc là, on va voir en vrai du côté Kaichi, on n'a que des bans support qui peuvent être faits de manière vraiment efficace. Rappelons que Pace est 100% original sur Senna, donc c'est un ban très très avisé. Même si Deft est bon également dessus, je pense que t'as vraiment pas envie de la laisser open. Ok, ça enlève H. Sur ce patch-là, rappelez que maintenant Varus est de retour, tout de même. On sait que le champion est toujours très prisé quand il est jouable pour le setup que ça apporte, pour la puissance de lane que ça apporte. Après là, on veut, je pense, vraiment donner counterpick à Beryl et le faire en sorte de contenir à minima la botlane des Genji, si ce n'est gagner même côté botside pour Kaichi. On voit Beryl à l'écran et le R5 devrait être pour lui, logiquement. On devrait réouvrir... Cariadé ici en blind, c'est pas trop un problème. Il reste le counter support. Ezreal, Varus, les deux sont encore tout à fait jouables. Donc normalement, ça devrait être plutôt tranquille pour les KT. Juste à voir comment est-ce qu'ils vont aborder l'affrontement face à un éventuel Draven. C'est vrai que Varus est peut-être un tout petit peu plus prio. Retire au final la Miss Fortune, qu'on aurait sûrement mais bien aimé avoir. Maokai, ça reste toujours. Relativement intéressant à aller chercher comme combo également, assez simple à mettre en place, à mettre au barrage de pont de se déchaîner, et plutôt counter pick AD pour Monsieur Deft. Beryl qui vient chercher cette réelle, ça m'étonne un petit peu, je pense qu'on aurait pu blind AD, je pense qu'il faut blind AD. Je préfère ce côté-là, Deft qui ira chercher la Zeri, on va laisser Beryl counter pick. Ouais, maintenant le gros problème c'est que là tu peux mettre le Draven bot et le Draven à le match face à Zeri. Donc tu pourrais avoir ce flex qui est utilisé jusqu'au bout,
Mais Xayah a également une très bonne réponse Azeri, un Xayah Rakan pour terminer le tout, pour avoir des bons outils d'engage, peut terminer la draft de Genji en apothéose. Il faut voir comment depuis le début on a si peu de doutes que ce Draven est au mid. Donc, en fait, ils ont tous... le flex existait, mais... Ils ont tous pris leur champion. Ouais, chacun voilà. Pique pour soi, comme ça c'est carré. Ils sont même pas dans le même vocal et tout, ils se font des nouveaux challenges, mais... Xayah Rakan pour Paze et Monsieur Lienz, counter pick support pour Beryl. Qu'est-ce qu'on joue contre ce Rakan? Il avait envisagé Rell, Alistar pourrait être une option également. Ah ouais? Ouais, lui, on veut jouer autour de l'Azeri, on veut se concentrer sur ce carry. Ok, c'est... ça m'étonne un tout petit peu, hein, ouais, parce je suis, que... Je suis pas un grand fan du pick Lulu. En face, il y a quand même... Bah, il y a 4 carries. Il y a 4 carries et une belle engage avec Rakan. Du coup, avoir un Nautilus ou ce genre de champion aurait permis de mettre... enfin, de menacer un peu plus facilement Genji. Là, on se retrouve avec Piusik qui va avoir la lourde tâche d'être à la solo engage et en dehors des ronces. Ça va être assez difficile de faire quoi que ce soit, d'arrêter Genji dans leur potentiel snowball. Tu sais, dernièrement, on parle souvent du fait d'avoir beaucoup de responsabilités d'engage quand t'es un petit peu la seule engage de ton équipe, ce qui est le cas de Rakan, sauf que Aurora. Sauf qu'Aurora qui va pouvoir bloquer une certaine zone, Rakan va pouvoir aller charmer tous ceux qui s'y trouvent et un bon combo à venir. Je la vole au chat, je dirai pas le pseudo, mais la compo de Genji c'est du coup 4 Vastaya et un Draven au milieu. Quand tu regardes, c'est genre, t'as Lapin à la top lane, Bombi dans la jungle et t'as 2 Piaf au bot. Et t'as Draven comme ça au milieu de l'arène. Non, ça veut bien. Ça veut dire tout de même qu'on n'est pas loin d'avoir des drafts full Vastaya qui nous mettraient bien également. Mais c'est la logique de Genji, patch 14.15. C'est terrifiant, c'est légèrement terrifiant. Et c'est le genre de draft où si c'était pas Genji, on dirait mais qu'est-ce qu'ils ont foutu. Mais c'est Genji, donc ils ont le droit. Réel. Il y a des privilèges, mais des privilèges qui ont été acquis à la sueur et au sang. Les performances des champions de Corée. Ce match-up top m'intéresse un petit peu. Aurora dans Gnar, je me demande ce que ça donne. Waouh, un bronca pour les KT. Je me demande s'il y a également genre des fans d'autres structures qui sont dans la mode. Ah, Genji, ils ont pas le droit de faire le 18-0. Ah, je pense que c'est sûr. Hein. quand tu gagnes tout le temps comme ça, t'as des haters. Hein. C'est la logique. C'est partout comme ça. Je me demandais si on partait Electrocute ou Fleet sur la top lane. Ce sera Electrocute pour Aurora, Fleet de l'autre côté. Mm-hmm. Au niveau de la jungle, c'est du classique. Au niveau de la mid lane, c'est du classique. Car il y a des pareils. Et un petit Aerie pour cette Lulu. Ok, de quoi jouer la lane. Essayer de trouver quand même des trades positifs au début de partie. Entre l'Aerie, entre le Fleet, normalement on va rester en bonne santé, en permanence au bot pour Death et Beryl. Moi c'est curieux, comme tu l'as dit, le match-up le plus... qu'on connaît le moins, c'est tout simplement le Aurora face à Gnar, yes. Kin a déjà dû l'entraîner, que ce soit en solo queue ou en scrim. On verra bien ce que ça va donner. Maintenant, les Aurora qu'on a vu pour l'instant, Lightning Phase, c'était pas leur fort, c'était pas le moment où elles arrivaient à trouver le plus d'impact. Est-ce qu'on start Q ou W pour les ends? Ils sont vachement collés quand même. Mais on va garder le contrôle du buisson pour les ends, pour mettre un petit peu de pression. Seul Paze a été scout pour le moment, mais Beryl se doute. Ouais. Il est très patient. Oh, c'est la première Xayah de Paze. Oh. Intéressant. On est quand même sur une draft un peu expérimentale hein, pour les Genji. Comme souvent dernièrement, hein. Comme souvent ces derniers temps, ils essaient des choses, ils s'amusent les Genji. Ah, attention au KT tout de même. Il s'amuse ou est-ce qu'on prépare les playoffs petit à petit? Parce que c'est bien de gagner la saison régulière et d'être archi dominant, mais si tu fais toujours la même chose en saison régulière, en playoff, au bout d'un moment, tu te fais avoir. Je pense que le meilleur exemple qu'on a récemment, c'est en Division 2 Montpellier, qui était arrivé avec une stratégie de draft bien connue et reconnue, et qui à l'arrivée en playoff n'ont malheureusement pas réussi à concrétiser. Ok, c'est la première Aurora top, celle qu'on a eu pour l'instant était à la mid lane, mais on savait que c'était flex. On va voir le push pour Kin. Après c'est vrai qu'elle a été globalement à un petit moment, donc c'est que depuis cette semaine qu'elle est open. On est vendredi, c'est le troisième jour de compétition seulement. On sera ici dispo pour Kin, qui va avoir le push.
ça Lilia passe topside, ça m'étonnerait qu'il y ait un dive d'envisageable. Ah, électrocuteur aura, ça rigole pas. Là, tu vois, Gnar n'a plus de potions, elle a encore ses deux potions, elle a toutes ses HP. La moitié de son mana, elle est très très bien là Aurora actuellement. Ok, je m'attendais pas à ce que ça domine autant dans les premiers niveaux. Ah, c'est impressionnant. Après, faudra toujours regarder ce match-up avec... Enfin, c'est Kills, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Kills. Je sais pas si c'est la data la plus relevant, puisque Kills est vraiment juste au-dessus de beaucoup d'autres top laners. Et Perfect a souvent été pointé du doigt comme étant cette faiblesse du côté de KT, pouvoir menacer. Mais bon, après, je suis d'accord sur Perfect, mais s'il y a un champion sur lequel il était vraiment bon, c'était Gnar. En tout cas, des souvenirs que j'ai du Spring. Je me rappelle qu'il y avait son Udyr, etc., qui pouvait être un peu problématique, mais son Gnar, c'était du solide. Ouais, mais là, pour l'instant, il prend une sacrée sauce. Son jungler était en plus de ça de l'autre côté de la carte, donc on n'avait pas la couverture. Obligé de back avec seulement 11 petits creeps. Ça fait mal, ça fait clairement mal pour lui. On va voir si Kin arrive à garder un rythme de fou de ce côté-là. Au niveau de la mid-lane, on voit également que ça met un rythme très solide. Draven Corki censé. Bon, Draven est censé prendre le dessus. C'est également biaisé parce que c'est Chovy, mais Bididi, c'est pas n'importe qui non plus. Mais juste que les match-ups sont respectés. Et au niveau de la botlane, en vrai, on a un avantage un peu plus conséquent que ce que je pensais. Là, on a un petit peu de mal à lane, là, à Zayar Akan, côté de Genji. Maintenant, Lilia va être dans le coin. Il y a un crash ici. Est-ce qu'on peut trouver un petit quelque chose? Est-ce qu'une graine pourrait connecter? On rappelle qu'on a un dash pour Zeri. Elle va aller au-dessus du mur et ça devrait aller pour Monsieur Deft. C'est 10 creeps d'avance, tout de même, pour Deft. Je t'attendais pas à ça, tiens. Tout d'accord avec toi. Là, Lulu... Un peu seul. Lulu fait partie des... En vrai, dans la première partie de lane, Lulu, c'est tellement oppressant. Ah, les auto-attaques de Lulu, frère, c'est une folie. Quand j'ai commencé le jeu, elle se jouait mid, beaucoup. Mm-hmm. Et elle me terrorisait. Ses autos faisaient trop mal, je comprenais pas. Et Pix qui est là pour aider et qui d'habitude arrache un peu. On peut trouver ce genre de trade, le petit shield qui arrive. Et un creep par un creep, ça prend des avantages. Et en vrai, c'est une très bonne nouvelle tout de même pour KT. Ouais, surtout quand tu vois les CS solo lane top et solo lane mid, c'est bien que Deft arrive à prendre un minimum d'avance, parce que sinon t'as 3 losing lane et c'est un peu plus compliqué pour Kyosik peut-être de s'activer, de faire des choses. Ce premier dragon lui sera récupéré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est récupéré entre guillemets avant les Void Grubs. Après, il a des camps bot side, malheureusement, il peut pas tout de suite aller se positionner et Canyon va démarrer immédiatement. Donc finalement, on aura ce trade. Chovy qui a perdu pas mal d'HP au niveau du mid, mais il va pouvoir chauffer la wave avec son ultimate et reculer. L'enchaînement des deux trades à la mid-lane est tellement bien joué par Bididi. Attention, Bididi, c'est un très gros laner aussi. On parle beaucoup de Chovy, mais Bididi n'est pas en reste. C'est un très bon joueur. Et là, il est en train de le montrer. Il répond relativement bien au niveau de la mid-lane. Il a réussi à revenir un peu au farm. Hein. Il a réussi déjà à réduire un peu l'écart. Okay. C'est ça aussi le problème. Ça aussi la raison pour laquelle Deft et Beryl peuvent s'avancer de la sorte. Parce que tant que la Zeri a son dash, Rakan ne peut juste pas bump. C'est extrêmement facile en tant que Zeri de dodge du langage de Rakan de la sorte. Qui gratte des infos, on vient placer un petit trinket au niveau du red buff, perfect. Qui crash sa wave et qui va prendre de l'info également dans la rivière. On va prendre les fruits, il y a quand même Canyon dans le coin. Attention, on pourrait se retrouver entre deux feux. Maintenant le Maokai n'est pas très très loin non plus. Ouais, mais c'est Aurora. C'est Aurora, et si on dash in et qu'on bloque dans l'ult, y a pas de sortie hein. Bon, je crois que c'est ce qui va se passer hein. Parce qu'il a pas son flash. Ah, il a pas son Erkin. Il a pas d'ultimate. Ah. Et de la Aurora n'est pas dispo. On l'a pas vu. Il a été utilisé hors caméra. Ok, on a eu le gros groupe, on va dash in. Et Corki fait le déplacement. Corki fait le déplacement et Gnar également. L'ultimate de l'Aurora est toujours en CD. Chovy n'a pas d'ultimate également, on l'a vu l'utiliser au niveau de la midwave. Est-ce que Canyon peut utiliser ce Blasting Cone pour s'en sortir? La Valkyrie a déjà été consommée, on va dormir pour Bididi, on va devoir claquer son flash. Canyon va gagner beaucoup de temps, il devrait mourir tout de même. Premier sang ici, possiblement pour attends, Perfect, à moins attends. Que Canyon soit un super héros. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Petite Bertha du côté de Bididi pour venir récupérer ce kill. Premier sang à la mid lane. Ouais, très bonne réaction de Piosik. Très bonne réaction de Piosik. Tentative d'invade de la part de la Lilia ne se passe pas comme prévu. Et on a perdu du temps pour Canyon, on est resté très longtemps dans cette jungle topside.
Attention ici tout de même parce qu'Aura a récupéré son ultimate. Par contre, il y a bientôt un méga Gnar. Kin doit faire attention à lui également. On a toujours pas vaincu une seule fois également au niveau du bot. On est 85 creep, on va one-shot un item pour Deft. Hein. On n'est pas loin de one-shot les statiques. Hein. C'est deux plaques, 85 creep. Il a pas encore longtemps à rester pour avoir les 3000 gold d'un coup. C'est quelle wave qui vient? C'est une wave canon, il pourrait reset ici. Hein. Il pourrait reset ici Deft. Mais il veut pas, il est encore en train de push la next. Attention parce que Canyon est dans son bot side, mais Beryl prend une belle avance ici. Et on pousse cette wave canon. Lui et Salul sont en train de clairement dominer. Ouais, du coup avec tout ça, Bididi, il est bien. On a plus que 4 creeps de retard. On peut commencer à rêver. Ah mec, c'est comme ça. Tout comme doucement ça. Commencer à rêver de la chute des géants. Fessik a vraiment bien joué le coup. Hein. Les ronces sont envoyées tellement bien. Ça bloque même Aurora derrière. Hein. C'est un peu honteux que la ronce derrière est touchée, mais c'est le cas. Ok, on a une ultimate qui a été déclenchée. On voit en bas à gauche de l'écran là, Aurora n'a plus son R. Elle trouve un sacré chunk, mais c'est un Gnar avec un Fleet. Il a bientôt son TP de up. D'ailleurs, d'ici 40 secondes, les TP deviendront débridés. Donc attention au prochain Drake. Ça m'étonnerait tout de même que Perfect fasse le déplacement, mais c'est envisageable. Je te l'avais dit, hein. Deft, premier back statique. Voilà, tout simplement, il a one-shot l'item. On est passé d'un moment fort de Zeri à un moment fort de Zeri. Et du coup, Deft, qui n'a en ce moment que des composants, est obligé de respecter. Merci le chat de me faire les rappels qu'il faut. Never get excited about KT. Ah, c'est, pour l'instant, c'est qu'un kill. C'est pas grand chose. C'est rien. Réel. Ce n'est que le début. Fusik, hein. Regardez pour un gank. Voilà une gank. Il a les ronces de up. Perfect va pouvoir récupérer des mercures. Il a utilisé son TP topside par contre. Et du coup, TP avantage pour Kin. Donc est-ce que Kin reset et. On va avoir un nouveau fight au niveau du bot side, on est sous la tour, le Z qui va connecter sur les deux adversaires. Je sais pas si on a un dive en deux temps, on va déclencher pour Deft, on va déclencher, il y a beaucoup de dégâts, il y a déjà un premier mort. Est-ce que Maokai peut tanker plus que ça? Ah, il va revenir, hein. Il va revenir, quel dive absolument mad. Oh là 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 là, masterclass des KT sur cette bot lane. Et il y avait déjà trois plaques qui étaient tombées, il y a une quatrième qui va suivre. Ça offre les Void Grubs en échange, mais... Ah, c'est Lulu et Maokai qui prennent les kills. C'est vraiment dommage que Def n'en ait pas un. Maintenant, il était déjà sur son timing premier item. Donc, on va dire qu'on a vu pire. On a dash du mauvais côté. Kin s'est un petit peu vomi dessus. Il devrait s'en sortir. Il a un flash de up. Non. Il va prendre beaucoup d'auto-attaque. Perfect, faut qu'il y aille. Hein. Faut qu'il y aille. Hein. C'est son moment. C'est son... Attends, on est passé invisible. Oh, on s'est replacé pour Kin. Bien évité. Et attention, Aurora. Attention, Aurora qui prend un petit peu de mouvement speed. On va envoyer le boomerang. C'est évité. Oh, longplay de la part du top laner des Genji, c'était exceptionnel, le nouveau champion. Oh là là, il a joué avec lui, les bons mouvements dans les bushs, la prise de vision, il y a tout qui était bon pour Kin. C'était l'angle où Perfect pouvait réussir à le punir. Oh là 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 là, la vision dans les buissons là, Aurora ou non, hein. C'est les fondamentaux, c'est la top lane. Kin qui, alors que Perfect avait une ping, il arrive à changer d'un buisson à l'autre. À invisibilité en le faisant croire qu'il va aller sous sa tour parce que forcément il a peur, il a plus le flash. Il est censé marcher vers sa tour et nous il va aller vers l'alcove, il va remonter. Oh, c'était incroyable les deux phases de jeu là. Ouais, et là on va revoir le dive. On prend la purge. Hop là. Deuxième temps. On va lock le Rakan parce que forcément Maokai ne va pas Z sur Xayah. Et après. On a consommé tout ce qu'on avait à consommer pour Paze. Et on va tomber. Le dive était somptueux et on va revoir. Oh, bah, oh. POV Kin. Ok, les petites auto-attaques entre temps. Oh là 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 là. Oh, ah, c'est du kiting à la Syndra, oh. Carrément, quoi. Oh, sorry. Ah, sorry. Ouais. Ah bah, c'est normal qu'il tente l'angle, hein. Quand on a une erreur mécanique pareille que le dash dans le mauvais sens, ou tu vois, par exemple, une Caitlyn qui utilise son filet dans le mauvais sens, bon, forcément, t'essayes de la holly, t'essayes de l'avoir, ouais, mais... Ouais, ouais.
Mais les petits pas de Keane ont eu raison de lui. Je sais qu'il partira Lockett et non pas Liandry comme on peut beaucoup le voir dernièrement. En parlant de Liandry, on en a déjà deux en face pour Ekin et Canyon. On fera Mikael first pour Beryl. Il y a déjà une cleanse pour Deft, mais on va lui donner deux anti-CC. De toute façon, maintenant, on est tellement bien pour Deft. Il y a Rakan, Air, il y a Rappel de Plume, il y a Endormissement de Canyon. Donc je pense que ce Mikael est vraiment le bienvenu. Côté de Beryl. Ah, l'endormissement peut également être utilisé pour BDD en vrai. Enfin, le Mikael pour empêcher l'ulti de Lilia sur le Corki. Ouais. Ça permettrait de sauver d'autres personnes également. C'est ça. Mais là, tout de suite, c'est bien évidemment Deft qui a le plus de puissance sur la faille. 150 creep à 13 minutes 50, c'est une folie. Et à la mid lane, on est even. On est remonté surtout. Hein. Vraiment, ouais. Il y avait des bons CS d'avance sur BDD, mais. BDD qui, mine de rien, est remonté au niveau des CS. On a une téléportation, c'est Draven, donc on veut jouer de manière proactive autour de ce héros de la faille. Ça va être un 5 contre 5. Hein. Les KT sont là au rendez-vous. BDD va faire son arrivée dans la rivière. Il y a des ronces également pour Piosik, qui par contre va prendre une marque de la part de Canyon. Attention, hein. Regardez Keane également qui va arriver par le topside, qui a son ultimate, qui peut faire très peur. Les ronces vont être, elles, déclenchées. On est un petit peu seul autour de ce héros de la faille pour Piosik, mais il y a le Gigantum du côté de la Lulu. On va aller dans la mêlée pour les heads, on en a parlé, hein. Rakan plus Aurora. Mais les KT se défendent très bien, 1 pour 1 pour le moment, 1 pour 0 même. Il n'y a que Deft qui est tombé. Ils sont surtout en train de fuir le flash du Draven de Chovy qui continue de chase, mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, Keane a mis un montant de dégâts astronomique pour aussi tôt dans la partie. Et Deft qui était si big a fait 57 points de dégâts. Il s'est fait one tap, on nous montre les golds maintenant parce que le Draven a cash in, c'est lui qui a récupéré le kill. Ouais, mission accomplie. Mission accomplie pour Big Cho, pour Big Chovy. Bah, c'est passé exactement comme Genji voulait que ça se passe. Ouais. Du coup, on va revoir comment Deft s'est fait éteindre de la sorte. L'ultimate de Lulu est... Oh bah ouais. Il a essayé de dash out en traversant le mur, mais tu ne sors pas de l'ulti Aurora. Ouais, fallait flash, hein. Matchup knowledge, je pense. Ouais. Aurora vient de sortir, mais je pense qu'il fallait juste flash, il avait son flash de up. Pas sortir de l'ulti Aurora. Si c'est un dash et non pas un blink, ça ne passe pas. Si c'était le de Ezreal, il aurait pu partir, mais c'est pas le cas. Erreur quand même de Deft, hein, parce que là, s'il flash, c'est plus safe et c'est sûr qu'il est tranquille. Ça donne le cash-in à Chovy, donc ça change beaucoup de choses dans la game. Il y avait vraiment juste à... Même, il était même pas obligé de flash de l'autre côté du mur, hein. Il flashait à côté de sa Lulu à droite. Et il pouvait complètement jouer le fight. Clairement. Et du coup, ça recolle complètement au gold. Je trouve qu'Aurora est forte, mais je trouve que dans quasiment toutes les games où on la voit, il y a beaucoup d'interactions qui vont pas rester là longtemps, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de non-connaissance du champion. Elle a gagné 800 gold de... 793 gold. C'est 800. Passif, mais ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de réactions sur les ultimes. Bah, tu vois certains combos où, ok, Aurora MF, t'as un manque de flash en face. Ok, ça fait mal. C'est comme un Camille Gallio, t'as pas de flash. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de phase là. Maintenant, sur des trucs où. Tu vois, au final, le kill de Keane au top. Ouais. Ça, on le reverra encore, tu vois, parce que c'est des bons mouvements de Keane, du bon jeu de vision, des bons dodges de boomerang et tout. Franchement. Champion ou pas, hein, il avait vraiment bien assuré le coup, donc ça on reverra encore, j'espère. Il n'y a pas de raison qu'on revoit pas. Il y a un Deft qui kill son flash dans Ulti Aurora, qui tente de dash à travers la zone de non-droit, ça c'est un peu moins amené à revenir dans les semaines, dans les mois qui suivent, logiquement en tout cas. Ouais, pour ceux qui se posent encore la question dans le chat, tu peux flash out de l'ulti d'Aurora. Il faut imaginer ça comme... C'est plus un R de Jarvan qu'un R de Camille. Exactement. R de Camille, dans tous les cas, tu restes dedans. Un R de Jarvan, tu peux flash out. C'est un peu la logique à avoir. Et encore que, même le R de Jarvan en soi, tu peux dash à travers. Ouais, tu mais peux. Mais c'est pas le cas de celui d'Aurora. Celui d'Aurora, tu peux que blink à travers. Donc te téléporter, entre guillemets. Du coup, le R de Kassadin, tu passes. Le E d'Ezreal, tu passes. C'est ça. Mais E d'Ezreal, tu passes pas. E Aatrox, par exemple, le petit dashing, là, tu ne sors pas. Par exemple, dans cette game, un Z de Maokai lui permettrait de sortir. Ouais, exactement, parce qu'il s'éclipse, il passe en dessous du sol et il réapparaît. C'est comme la cage de Veigar, c'est également
Une bonne image. Ouais, exactement. De Végard également. L'auto du E et Copas, bonne question. Ouais, mais la deuxième partie. Parce que la première partie est un dash, la deuxième est un blink. Et du coup, tu peux réussir à te... Dans le matchup face à Végard, si tu vas tout à gauche de la cage et tu E à droite, t'as pile la range pour pouvoir utiliser ta première partie du E. Sans rentrer dans la cage du coup. Ouais, sans te faire stun. Et puis après, t'as le blink pour réussir à sortir de la cage. Alors... Mais il faut une cible. Ouais, il faut la cible. Du coup, faut que le Végard, il soit en mode tranquille, j'ai ma cage, je suis confiant. Et en fait, tu le retournes et c'est le genre d'outplay où t'es là en mode hey boy. Je vois. Def qui conserve un tout petit avantage de CS. Bididi est tranquillement passé devant. Top lane Sleeven est 50 CS d'avance dans la jungle du côté de Canyon. Qui est pas loin des 10 CS minutes. Qui est super activé. Là, il vient de reset. Je pense qu'il va acheter des beaux trucs là. On a pris Mercure, on a pris Protège Bras. Ah bah. C'est Nilia qui va être dérangeante. Hein. Forcément. En termes d'engage, on a. Enfin, on doit se commit. D'ailleurs, tiens, je suis assez curieux de la suite du stuff de Keen parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'était Malignance Cosmic Drive. Là, on voit un Liandry pour la top lane. Et je me demande si après, il va également partir sur de la CDR ou si on va partir. Ok, on part quand même Malignance, il semblerait, avec ce chapitre perdu qui vient d'être acheté. C'est tellement important l'ulti d'Aurora. Parce que Malignance est vraiment mandatory. Hein. Swear est tellement game changer. Et du coup on voudrait Malignance into Liandry, avoir l'ultimate plus souvent, faire des dégâts sur la durée grâce à la brûlure. En tout cas Genji a repris quand même un peu de contrôle. On voit que la vision a tout de même été bien avancée, la vision bleue est vraiment pas mal, on a commencé à mettre de la vision défensive pour les KT. Il se met un level à Deft ici, niveau 12 contre niveau 11. Il a su récupérer un peu plus de ressources solo apparemment. Ouais mais c'est... A toujours le fait d'avoir un enchanteur en support. Beryl qui reste beaucoup avec son AD carry. Tu vois, il y a deux niveaux d'écart entre Rakan et Lulu. Comme ça que ça se joue d'habitude. Rakan est amené à bouger, à roamer niveau 13 contre niveau 12. Perfect qui veut tenter son comeback, sa revanche face à Keen. Il va désamorcer, il y a Canyon dans le dos. Il n'a pas forcément l'information, mais il fait bien de cancel ici. Le début du trade était vachement clean. Ouais. L'auto depuis le fog et le QE qui fait instant proc la marque. C'était clean, c'était un petit trade. Par contre map Chemtech, donc Keen a pris 2-3 fruits. Il a récupéré tous ses HP. Oh, on est invisible. Ok. Bon, le Q a quand même pas une range de fou, tu vois. C'est une range correcte. Tu peux pas te faire avoir à longue distance en étant invisible de la sorte tout de même. Ça fait tout de même un regroupement pour les Genji, on arrive à 4 sur cette T1, on est plus que 2 pour la défendre et ça c'est récupéré. Void Grubs ne pardonne pas sur ce genre de push, clairement. Canyon qui a laissé le premier dragon mais a récupéré les 6 Grubs, il en a désormais 2 des dragons donc. La jungle est très calibrée là au niveau des Genji. Deuxième item tout de même du côté de Kyosik avec ce rendu 1 face à Epeiz et Chovy, c'est un très bon item. Faudra-t-il encore gap close pour rendre vraiment le rendu 1 très efficace. Quatrième dragon de la partie qui va spawn d'ici 20 petites secondes. Et en termes de spike, on a deux items au niveau des carry AD. Attention par contre, parce qu'on a deux items pour Chovy tandis que Bididi n'a pas encore les deux siens. Ouais, mais on n'a pas l'air du tout intéressé pour les Genji. Ils ont préféré faire la rotation pour pouvoir prendre la T1 mid. Et ce pourquoi il n'y avait que deux personnes pour défendre, parce que c'était un timing back avant de jouer le dragon. Genji ont joué du coup dans le timing creux des KT, mais maintenant. Et les Genji ont peut-être un timing creux à leur tour. Ils vont même tenter de venir contester et on va juste rentrer la fleur au fusil dans cette rivière. Ils peuvent très très clairement. Deft n'est pas des mieux positionnés. Il va falloir rejoindre ce fight. Perfect qui cherche un flank. Perfect qui est quasiment oméga. Le Blasting Cone Explosive va être déclenché. Perfect. Oh, c'est récupéré par Kyosik pour l'instant. Faut y aller. Il n'y a pas forcément d'angle. Maokai qui va dormir. Maokai. Il y a l'ultimate de Chovy également du côté de Draven derrière qui fait beaucoup de dégâts. Lilia par contre va être la première à tomber. Bididi devrait suivre. Ultimate de Pest qui va déclencher ce qu'on a le rappel de plume sur Deft ici. On doit l'éviter. Ça va être compliqué pour Deft de se sortir de cette position. Rakan qui va tenter son W, ça va pas connecter. Il y aura une ping. Deft qui vient chercher son 1v1 face à Pays. Chovy bien ramassé. Allez, oh, et qui cache en plus. Clean. Les teamfights sont tellement clean côté Genji. Il l'a vraiment attendu à la sortie, vraiment sans sommation. Une balle entre les deux yeux. Allez, le teamfight largement remporté par les Genji.
On a Perfect qui tente d'avoir le flank, mais il se fait vraiment bien contrôler par Chovy notamment. Heureusement, le smite a été validé par, par Piusik. Et le focus initial sur Canyon a été bon. Mais Rakan Aurora, c'est une petite folie, ouais. Hein. J'ai bien aimé le petit 1v1 Death Pace là. Ça a été interrompu par les autres joueurs d'Engie. C'était stylé. On pose sa pique pour prendre l'info. Tashin. Il manque pas grand chose, hein. Une petite auto-attaque. Il peut pas se permettre plus. Hein. Les déplacements de Pace ont été très bons également. Chovy bien positionné pour venir ramasser le kill. 2-0-3, il a dû une nouvelle fois cash-in Chovy. C'est pour ça qu'on nous le montre comme ça. Et niveau 14. Environ 400 gold récupérés en plus. Ça fait 1300 gold de. Entre 1200 et 1300 gold de cash-in pour le midlaner des Genji. Anekoni, j'en ai tellement marre, tu peux pas savoir. J'en peux plus. Je rigole, en vrai, ils sont trop forts, c'est cool à regarder. Mais Bah c'est trop fort quoi. Ouais c'est trop fort, pas grand chose d'autre à dire. Mais là on a le droit d'avoir des interactions nouvelles avec l'Aurora. On prend de ouf. Malignon c'est dispo ici. Ouais. On va voir ce qu'il fera de choisir en 3, mais Sonore stacké à 8 points là. C'est Aurora qui va piquer. Hein. Elle va faire très très mal. Chovy désormais niveau 15. Mm-hmm. Toujours avec ses 10 CS minutes forcément. Et ce qui est bien monté en termes de CS également. 3 objets sur cette Zeri, attention. Pas encore la lame d'inf, bien sûr. C'est pas dans le stuff habituel de Zeri de l'avoir aussi vite. Bon, maintenant, Keen avec vision avancée pour tenter des catchs. Ouais, voilà, pour tenter des catchs, ça va aller extrêmement vite. L'assassinat a presque eu lieu, mais celui sur Piusik. C'est pas mal la défense là. C'est pas mal, on s'en sort. Sans kill, mais peut-être avec un setup de Baron Nashor. Bidzi a une TP, il va être bot side. Ce qu'ils peuvent venir défendre, Lulu est quasi obligé de retourner à la base ici. Attention, elle a. Oh là là, il y a moyen. Hein. Non, ça va. La graine va pas suffire. Deft et Perfect vont tenter de rentrer dans cette rivière. Pace extrait pour le moment. Beryl a très peu de points de vie, attention. Du coup, Perfect qui a tanké pour lui. On a encore le Mikael, hein. donc un dodo ne sera pas létal. Mais Beryl qui est resté Chad, hein. Vraiment. Je voyais un grand retour à la base pour lui, mais il tient le coup Beryl. Ah non, il est venu, il a mis ses 3 wards, il a essayé de tout contourner. Ouais, c'est bon les gars, vous inquiétez pas, je suis là quand même. Ah, mais là on voit tout de même quelle va être la difficulté de Katie. Hein. Parce que je pense que Aurora est vraiment le plus flippant dans ce genre de domaine. En termes de réception, c'est trop frère. Chovy, là, c'est double axe pour te reculer. Kini peut être invisible. Zairakan, on va pas les présenter. Ilya, ça peut jouer de loin, mettre son burst, hein, sa rotation de spell et courir de l'autre côté de la carte. C'est trop dur de rentrer dans les Genji. Étant donné que les Genji ont le contrôle de la carte, hein, c'est vraiment les KT qui doivent avancer, qui doivent leur rentrer dedans. Bah, bonne chance avec uniquement l'ultime. Ouais, et justement, le Maokai il doit tout traverser et le Baron Nashor est déjà smité. On va tenter une engage de la part de Piusik. Aurora qui a déjà ulti. Dodo pour tout le monde. Et le kill est récupéré par Chovy sur un aller-retour de son ultime. Deft essaye de tout donner. Il va réussir à se repositionner. Le teamfight de Deft est très très bon, mais il a perdu sa Lulu. Lulu s'est fait avoir. Waouh, les haches de Chovy. Des haches nucléaires sur la tête. BDD par contre. Zonia, c'est dommage, il a tellement bien joué BDD, mais Keen et Canyon étaient présents pour répondre également. La Staz est excellemment trouvée du côté de Canyon. Et 27 minutes, on va s'avancer avec le Baron Nashor. La lame d'un fait dispo pour Paze. Ouais, et du coup ça va déjà récupérer un inhibiteur. Il faut rester calme et juste partir sur un dragon technochimique, on tente pas la fin de game. Il y a un dragon de up, il doit avoir beaucoup de gold avec le fight qui vient de passer, donc on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin de forcer son destin. Cette game est entre guillemets déjà terminée. On est pas loin de 8000 gold d'avance, un nouveau dragon. Chovy qui est juste venu voler le groupe, quel gamin. Kini l'a bossé et tout, et t'as deux haches de Draven qui arrivent. On va revoir ce fight entre grands guillemets. Piusik qui voit un angle, de toute façon c'est la manière dont il doit essayer de faire quelque chose.
mais... C'est trop dur de faire marcher Lilia en plus, je trouve. Et la canon, il la pilote tellement bien. Le montant de dégâts est un peu élevé quand même sur Aurora. Lulu a pris. Le mec regarde juste Corki aussi. Aïe, ouais, j'ai vu. 1200 HP, ouais. Baf. Avec les marques, l'électrocute et tout. Oh! Il est sorti juste à temps. Juste à temps, ah et ouais. Même ça ne suffit pas finalement. Il y avait encore la marque que tu peux retirer ensuite. Très bien. Très bien, bah on prend. Il y a eu une assist de Canyon, je sais pas combien de montants de dégâts il a mis, mais je crois que Aurora. Je te mens pas, il a Void Staff, il est niveau 15, il n'y a pas de MR sur ce Corki autre que bah, ses niveaux, quoi. Il n'a pas d'objet MR. C'est pas loin d'être des dégâts bruts là, ce que Kim vient de lui infliger, il va passer niveau 16. Peut-être encore plus de CDR sur son ultimate, on va aller très loin du côté de Kyosly. Garland va tout, qui va être tenté du côté des KT. Deft va multiplier les auto-attaques, mais ce n'est pas suffisant, Canyon va avancer. Il va mettre la boule, il va mettre tous les dégâts une nouvelle fois. Aurora récupérera le kill. Quel game de la part de Kin. 7-0-5, 12 kills sur 13. 90% de KP, un peu plus peut-être. Et des Genji une nouvelle fois victorieux. 1-0, 1-0 pour eux dans ce BO. Laning phase bien dominé. Un solo kill de Kin qui amène à une Aurora qui est peut-être un tout petit peu devant. Vraiment, vraiment un tout petit peu devant. Mais le snowball et l'arrivée en teamfight est juste niveau Genji. Aurora semaine 1. Bah ouais. Hein. Comme on l'a dit, c'est pas forcément relevant parce que c'est Kin, mais quel game il nous sert ici. Et quel stuff aussi en l'occurrence. On a vu des stuffs différents, mais là c'est vrai que Malignance, Liandry, Void Staff. Ouais. Il y a Canyon à côté de lui qui est AP aussi. Il y a des petites Mercure, il y a un peu de MR par-ci par-là, mais ça suffit pas à tanker. Hein. Non, clairement pas. Et on a vu le Void Staff de toute façon à la fin qui fait les bons dégâts. On vient de nous le réinformer, mais il suffisait d'un petit Nexus de récupérer par Genji pour être sûr à 100% d'avoir la première place de la saison régulière. À partir de maintenant, ouais, il joue en théorie pour du beurre, mais il joue surtout pour aller chercher le 18-0, le record absolu. De LCK. S'ils arrivent à ne plus perdre de Nexus, donc pas contre KT, pas contre HLE, parce que je pense pas que ça va arriver contre Nongshim. 18-0 avec un Nexus perdu, c'est un record que je vois très difficilement être battu. Enfin, faudrait faire une vraiment saison. Vraiment all-time. Faudrait faire une saison genre 18-0, 36-0. Un seul Nexus, ça existe pas, c'est pas possible. Non, LCK, ça existe pas. C'est pas possible. Déjà, là, ce qu'ils sont en train de faire, ça existe pas. Ouais. Enfin, faut le dire. Déjà, ne perdre qu'une game, ça existe clairement pas. Donc, le truc, c'est que la game qu'ils ont perdue. C'est vraiment, ils l'ont perdu, tu vois, genre. Ils l'ont bien perdu. Ils sont pris à 20-0 en game et tout, genre, c'est vraiment... Damwon les avait démembrés. Damwon sont ses gars, hein. Damwon sont clairement ses gars, parce que même lors du sprint, finalement, si t'enlèves la finale, c'est Damwon fait partie des équipes qui les avaient le plus dérangés. Ouais, clairement, vu que c'était 2-1-2-1 en saison régulière et 3-2 en playoff. Donc, à la fin, c'est toujours Genji qui a gagné. Et KT est la seule équipe en... En Corée, à avoir pris un BO à Genji également cette année. C'est ça. Avec que KT et que Top Esports si on compte le WC. Clairement. Donc, les seuls à avoir déjà pris un BO contre les Genji, c'est une année dont il faudra vraiment se souvenir du côté des Genji s'ils arrivent à aller au bout. Et moi, j'étais vraiment d'avis que s'ils gagnent pas les Worlds, faut pas me parler. Mais là, la vérité, hein, là, ce qu'ils sont en train de faire, hein, même s'ils flopent aux Worlds, frère, moi, je les mets en l'air, respect, frère. Après, ils sont trop forts. Le truc, c'est que. Oh, non, ils sont trop forts. Flop. Bah, ce serait ne pas prendre la coupe. C'est ça qui est attendu de Genji. Non, s'ils vont en finale, c'est bon, genre. Non. J'avoue, de gagner, je suis en ouf, moi. Je t'avoue que... Ils doivent gagner. Dans le... C'est la meilleure équipe du monde, genre, ils doivent gagner. Dans la tête de tout le monde, c'est soit tu reviens avec la coupe de l'invocateur, soit ton année sera toujours teintée d'une tâche. Ouais. Non, ils doivent gagner les Worlds, ils sont beaucoup, beaucoup trop forts. Après, j'attends la fin du vocal de fin. Très calme en plus, hein. Ça parle même pas sur la fin, chacun connaît son taf. Ça focus tranquillement la Zeri tout en récupérant le Maokai sur le passage. Et je disais, en fait, tout est à contextualiser parce qu'en réalité, personne n'a trouvé JDG honteux l'année dernière quand ils perdent en demi parce que c'est un T1 bizarre qui se pose à eux aussi, tu vois. Ouais, faudra voir, mais personne s'est dit, ouais, la DJDG, elle est ratée, genre.
Non, mais je marche. Il y a quand même ce fait où c'est un fait, mais on attend plus des équipes coréennes que des équipes chinoises parce Ouais, c'est que vrai il y aussi. a un plus gros suivi sur les équipes Ouais, c'est vrai, c'est coréennes vrai, c'est vrai. par la communauté française. Là, l'attente autour de Chovy, c'est une attente qui date quand même d'il y a d'années en années. C'est Donc vrai. il y a ce côté-là également, mais bien Il y a évidemment là. Canyon qui le rejoint et tout, Goat Meat, Goat Jungle. C'est ça. La comparaison JDG Genji a clairement lieu d'être, dans le Ouais. sens où ils ont dominé leur région, ça a gagné le MSI, et on arrive aux Worlds en étant favoris. Mais c'est juste, bien évidemment, les attentes de la communauté française vont être plus élevées pour Genji. Après, moi, je me base pas forcément sur la commune FR, c'est plus général. En mode, j'attends de voir, mais en fait, je suis d'accord dans l'idée que si Genji ne gagne pas les Worlds, c'est un flop. Mais il faut voir comment ils vont les perdre. S'ils les perdent, comment ils les perdent, tu vois. C'est plus ça Ouais. le. On verra. Après, voilà. Bon, s'ils perdent en ronde suisse, qu'ils sont éliminés, ouais, ok, c'est un flop. Arriver en Ah finale, non, perdre mais ça, c'est pas 3-2, envisageable. j'appellerai pas ça un flop dans tous les cas, Ouais, tu vois. faudra voir. Faudra Mais voir, faudra voir. J'ai hâte d'y être. JDG était pas aussi dominant. Qui se souvient de JDG? Bref, on Faux. va se laisser pour une, pour une Vous dites ça à petite un fan JDG pause. en plus zéro qui s'en fout de toutes les équipes sauf d'une seule ou presque. C'est JDG. Faut pas dire des trucs comme ça, des bêtises pareilles. Ah là Mais là là bon, là. comme tu viens de le dire, petite pause, prenez soin de vous, on arrive dans quelques minutes. 1-0 pour Genji, la phrase qui a été le plus dit sur ce broadcast de LCK depuis le début de la saison. On va. Mais il y a un gars dans le chat, quelqu'un dans le chat, je sais pas si c'est un gars ou pas. Quelqu'un dans le chat nous a dit, mais vous n'en avez pas marre de dire Teamfight remporté par Genji victorieux. Vous n'en avez pas marre. Alors si, Ask T1 fans, j'en ai marre, mais bon. Ils sont trop forts, c'est comme ça. Hein. Faut accepter. C'est comme ça que ça se passe, on n'a pas trop le choix. Donc, bon, on va voir qui va obtenir le Fort. MVP, mais bon, on a parlé très rapidement. Le temps qu'on se refasse un repeat de la game, on s'est dit que de toute façon, ça allait être Keane avec sa Ouais, Aurora. j'ai hésité, mais c'est Kin, c'est sûr. C'est sûr, c'est Tellement. sûr. Il crée tellement la diff. Il crée tellement la diff, et on reverra les plays tranquillement que Aurora a réussi à Et produire. nouveau combo débloqué, Aurora Rakan. Hein. Ouais, bah ouais. C'est peur. Hein. Et Aurora, Parce plus une engage fulgurante, ça a l'air d'être cool, là, on a quoi. même vu Aurora Rakan R2 de Draven par-dessus. Ça fait très très peur. Donc ouais. J'ai également vu la question passer juste avant. Si KT perd aujourd'hui, est-ce qu'ils sont éliminés de la course au playoff? Non. Là, ils ont un match contre Damwon qui va être très important. C'est le dernier jour aussi. C'est ça. Semaine prochaine, ils jouent DRX et Damwon. Donc ils n'auront pas le choix. Ils devront en battre Gagner les deux. au moins un. S'ils gagnent les deux, normalement, ils sont bien. Mais il faudra toujours suivre du coup l'avancement des Fox et des Quantum Freaks. Et Y a ça tombe toujours bien. des Demain, premier match. Fox contre Kong, donc. Ouais, exactement. Donc ce match pour la course au playoff va être extrêmement important. Et après, on verra laquelle des deux équipes arrive à s'en sortir le mieux. Mais Quang Donfrick se joueront contre T1 et contre DRX. Fox, c'est l'équipe du moment, frère. J'aime trop, moi, je trouve trop fort. Le jungle que j'aime un peu moins, Raptor, mais top et mid, là, closer clear, j'aime trop, 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 j'ai trop, trop Ouais, fort. Clear, c'est bien monté en puissance sur la fin. Ouais, je te Mais disais, hein, il avait 12 kills sur 13 skins. ouais. Tout de même, un truc à dire pour les Fox, c'est que. Le changement de visage du roster, c'est à partir du moment où Duro, le Ouais, support, est arrivé. Donc, c'est vrai, c'est comme vrai. quoi, un support qui change le visage de la top end, tu te dis, ah, c'est bizarre, mais forcément, quand la vision est bien setup, quand tu cherches des plays en permanence, ben, ça permet à toute l'équipe d'avoir l'air beaucoup Char, plus active. beaucoup plus solide. Et on l'a vu là, du coup, 12 kills sur 13. Ouais. Belle présence. 7-0-5 sur 13 kills des Genji, c'est très très solide. Et d'ailleurs, 13 kills sur une game de 28 minutes comme ça, c'est quand LCK que tu vois ça. Clairement. Il aime vraiment maîtriser chaque kill et utiliser dès que tu kills quelqu'un. Soit ça va faire un objectif, soit ça va voler des camps, soit ça va retake la tempo. C'est une folie. D'ailleurs, 11 sur 12 et ça aurait dû être 12. Hein. Celui qui a voté Chovy. Ah, le Média média numéro numéro 3. 3. Hey, le fameux Média numéro 3. Salopard. Il est là, toujours là. Aucun doute, Aïe, 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 aïe. c'est toujours lui, c'est toujours lui. On change pas une équipe qui gagne. Je voulais revenir sur une autre petite question parce que Vas-y. je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est confondu. Puitox qui nous demande, est-ce que la game du 18-0, c'est le premier ou le second match de dimanche? Ce sera la semaine prochaine. Là, il va rester deux matchs au Genji. Il va leur rester Enongshim et HLE. Du coup, dimanche prochain, ce sera le deuxième BO de dimanche prochain. Et ce sera le tout dernier BO de la saison régulière de LCK. Après ça, on aura une ou deux journées de
tie-break si nécessaire, donc peut-être qu'il n'y aura juste pas de match si on n'a pas besoin. Normalement, il y ensuite, les play-offs pourront démarrer. Je crois, depuis que j'ai commenté à Castella LCK, il n'y a jamais eu de tie-break. Ils font des règles en sorte qu'il y en ait vraiment le moins possible. Ouais, là pour dire, de base, bien évidemment, le nombre de wins dans le BO3, puis après, le nombre de. Le goal average avec le montant de Nexus que tu as récupéré, puis le nombre de victoires, puis le head-to-head. Et si après dans le head-to-head t'es encore à égalité, je crois qu'il y a encore d'autres moyens de départager, tu vois. Il y avait un délire de le match retour contre plus, quoi, parce que c'est le plus récent. Ouais. Mais il y a beaucoup de règles qui existent pour soirée. Je crois que celui-là, ils l'ont pas justement, et c'est pour ça qu'il y a potentiellement des tie-breaks. Mais t'as vu du coup, tu dois arriver, mec. Ça devrait aller. Ça devrait aller. En tout cas, on en a pas eu au Spring, ça fait un moment qu'on en a pas eu. Donc, ouais. Draft numéro 2, KT va placer Blueside. Ils étaient raids lors de la première game. Ils ont laissé Aurora open, quelle erreur. Je te préchote le first pick. Corki. Voilà, on est tous d'accord. Par contre, le ban Blueside d'Aurora de KT. Au nom de Dieu, ils ont raison. Oh. Au nom de Dieu, ils ont raison. Ouais, mais bon, ils auraient pu first pick l'Aurora, mais ça veut dire qu'on l'a pas entraîné, quoi. Si c'est first pick, c'est pour des bidis, parce que l'Aurora de Perfect, je veux pas l'avoir. Ah, hater de Perfect. Je veux pas l'avoir, le sang. Ah, le hater de Perfect, ok. Ah, tu vas avoir droit à son Gnar une nouvelle fois. Ouais. Après ce first pick Corki en légende. Fin avec Gnar, le frère. Après, il y a Ezreal, Zeri, MF, Open et tout, à voir si on veut mettre Dev dans de bonnes conditions. Ah ouais? Le Toon. C'est un très bon blind. En B1, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup de ressources de poser pour un Renekton. Mais... C'est un très bon B1 quand à la fois Sejuani et Nidda sont open. Parce que là, du coup, si ça récupère Sejuani pour Genji pour enlever le Renekton Sejuani qui est très fort, t'as une réponse Nidda qui est très forte face à Sejuani et du coup, tu te retrouves avec un B1 Renekton qui, dans la méta actuelle, est tout de même très efficace. Donc en vrai, avec les conditions qu'on a là, je l'aime bien, le first pick Renekton. Mais du coup, la réponse de Kanyan ne va ni être Sejuani, ni être Nidda. Ce qui veut dire que Piostik va avoir le choix dans ce sur quoi il pourra partir. Mais la deuxième rotation KT avec Sejuani Corki permettra normalement d'avoir déjà un début de réponse. Ouais, un bel attirail pour démarrer cette game. Un début de réponse, et ce Jace est tellement flex, qui finira d'ailleurs en gangplank finalement. Encore un Gangplank pour Keen. Hein. Et Keen, 4 games de Gangplank, 4 victoires, avec 10 de KDA. 100% de win rate sur Gangplank. Et surtout qu'il en avait déjà récupéré. Il en a déjà joué 2 face à DRX, non ? Regarde les stats du split, frère. Il pète. Mec, mais oui. Mais les stats du split, elles n'ont aucun sens. Il n'y a qu'une seule défaite. C'est tout vert. C'est vert partout. Bah oui. J'ai jamais vu autant de vert. Tous les indicateurs sont au max, tu vois. Oh là là. Bon, par contre, assez étonné d'avoir le Maokai qui est au final récupéré par Piusik. Donc là, le first pick Renekton n'a pas autant de valeur que prévu parce que t'as même pas le Renekton Sejuani au début sur lequel t'as vraiment envie de jouer. Mais ils se disent peut-être que prendre Sejuani face à Gangplank, au final, t'as peut-être pas la. Enfin, l'orange est peut-être suffisante pour réussir à sortir du combo, mais bizarre. Ils ressortent le Draven, les Genji. Oh, aïe. Ça sent mauvais pour KT. Hein. Ça sent 2-0, bon appétit. Sur les coups 12h30 un peu tôt. 11h30 en France, hein. Sachant qu'ils ont 5 ou 6 heures de décalage en Corée du Sud. Mm-hmm. Je crois que c'est 6. Hein. On va pouvoir aller prendre leur goûter. On va pouvoir aller goûter tranquillement autour de 17h30. Mec, tu dis ça, ils ont déjà des scrims de bouquet en rentrant. C'est sur le timing de 0. T'imagines ? Des grands malades si c'est le cas. Alors moi, les jours des offices, c'est chill. D'ailleurs, on les voit quand ils sortent des offices, ils sont chill. Les Genji sont tranquilles. Continue leur scrim tranquillement. Je pense que tu rentres, tu solo queue tranquillement. Ah, 7h. Tu review. Okay. Est-ce qu'ils review même? Ils arrachent tout le monde. Mais oui, bien sûr qu'ils review. Je sais. Qu'est-ce que ça se dit en review? Oh, la réponse premier degré. Oh, les reviews des Genji, j'en rêve. Faites des leaks, faites quelque chose, je vous en conjure. Je veux savoir ce qu'ils se racontent. Mec, doit y avoir, hein. Doit y mais avoir est-ce qu'ils se trouvent trop forts ou est-ce qu'ils se trouvent les adversaires trop éteints? Non, je pense aucun des deux. Aucun des deux. Ouais, je pense aucun des deux. Les Coréens du Sud, ils sont. Je pense aucun des deux. Ils sont humbles. Ok, ça on a réussi à faire ça comme ça c'était bien et tout. Mais si ça trouve, il y a certains angles où ils se disent. Non, mais en fait, à ce moment-là,
On aurait dû... Bah, tu vois, par exemple, la contestation, la prise de la T1 mid into contestation dragon, c'est quelque chose d'un très très haut niveau macro, tu vois. Le timing où ils savent qu'ils peuvent se regrouper à 4 en abandonnant la wave bot sur un timing où en fait leurs adversaires sont prévus d'avoir reset pour pouvoir reprendre leur ward pour la vision et tout. Genre. Mais en fait, là c'est FF là. T'as Draven Ezreal, tu sais pas lequel va où, t'as counterpick support pour les ends. Vas-y, fais clic droit en haut à droite. T'es le game et vas-y, ça y est, c'est bon. Tu prends les moins 3, c'est tout. Fin de jeu. Ok, Ziggs de Deft. Ah, vas-y, frère. Encore, pas la première fois qu'on le voit. Du coup, ça va juste jouer double TP bot, le Ezreal va être bot. Tellement FF. Alors, Leens, que nous prends-tu? Petit Nautilus? Non. Ah, si. Bon. Ah, toujours très efficace, Nautilus, hein. L'assurance tout risque. Et il fallait un petit peu d'engage également dans leur équipe. La REL n'était pas dispo. Alistar, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Même si Leens est excellentissime sur Alistar. Nautilus semble plus simple à piloter ici. Ouais. Tiens, je vois une question dans le chat, on ne l'a pas encore mentionné. Ce soir, EMEA Masters, il y a à la fois des BO3 et des BO1. On aura normalement le premier BO1 qui sera joué à 15h, ce qui voudrait dire qu'en fonction de la LCK... Ah ouais, t'inquiète pas Mathieu, tu vas voir ce que je vais faire. C'est, normalement, le premier BO1 commence à 15h. Mais comme c'est un BO sans équipe de LFL, si le match de T1 Nongshim est encore en cours, on terminera la LCK avant de partir du côté des EMEA Masters. Donc, la LCK sera terminée comme il faut, sans aucun souci. Premier BO de LFL sera à 16h, c'est le BO1 de Team Geo. Ensuite, 17h, BO3 de deux équipes LFL. Et à partir de 20h, les BO3 des deux autres équipes LFL, vu qu'on a à la fois... Ah ouais? Ça lâche des culs secs maintenant sur la prod LCK. Écoutez, buvez avec modération. Vu que c'est nous qui devons faire de la prévention maintenant. Carré, hein. Voilà du coup à peu près le programme de ma la soirée. Reine, il a dit. My queen. Allez où? She can fix me. Waouh. Ah ouais, le chat, vous êtes comme ça, mais il est 11h les gars. Il est 11h. Non, les gars, normalement ça c'est vers 23h30, un truc comme ça. She can fix me, waouh. Il est bien 17h quelque part réel. Réel. Les fightings ont retenti dans le LOL Park. Ouverture, on aura un grasp pour Gangplank, rien de bien étonnant. Et en soi, c'est du classique partout. C'est du classique partout. On aurait pu aller First Strike pour Deft, mais ça reste un Ezreal en face avec beaucoup de range. On va donc choisir plutôt une comète. Ouais, par contre, la petite surprise, c'est quand même que Baze soit à la purge et pas à la TP. Pas grand chose à purge, c'est vrai. On a surtout peur du Renekton, je vois pas d'autres grandes menaces, peut-être Maokai aussi. Ouais, Maokai, il y a le stun de Rell. Ouais, je pense que Rell, ça va avec le E et tout. C'est ça. Ça veut tout de même dire que Deft aura normalement des Z au niveau de la laning phase pour avoir les bons backs et tout. Et donc, early game classique. On n'a que la vision des KT actuellement, donc Corbin pour Corbin. Attention parce que le Maokai de Piosik a été vu, tandis que Kanan lui n'est pas spot. On est arrivé un petit peu tard en lane. Pour Leens, je crois qu'on a raté un creep d'XP, peut-être deux. Mais bon, il se fait déjà. C'est une lane Ziggs contre Ez. Les deux supports qui sont là en mode... Ouais, bon bah... Viens, on fait semblant 3 minutes et après, on se bat. De côté et rendez-vous au vote, Grumps. Vas-y, donne le niveau 3 et après je me barre. Ah, c'est vraiment, ça fait partie des lanes les moins interactives que tu peux avoir. Ouais, clairement. Death, par contre, tu vas mettre du rythme autour de Stopside, qui n'a pris un poil cher. On a un cookie tout de même, on a sa TP également. Allez, les Renekton début de partie. Renekton début de partie, ça met du rythme. Et bon, ça fait partie sûrement des match-ups que Keane connaît le mieux. Le Gangplank Renekton. Un classique, surtout en LCK. La
Ce genre de match-up, quand t'arrives à l'international et que t'es là en mode tu blindes ton Renekton, tranquille, t'es là, t'es l'anti-stratégie, ouais, c'est Jani, Nida, Talia, c'est bon, on l'a vu, on l'a bossé, et là tu te prends en Gangplank, t'es en mode, attends. Oula. Dans mon livre. Ouais. Et c'est ça, malheureusement, les privilèges, c'est que on aurait été dans d'autres championnats, j'aurais hurlé. Là pour moi, c'est un génie incompris, c'est que si l'autre il dodge, waouh, incroyable. Mais vas-y, ça passe pas, bonne chance, mais. Ouah, non, là, mec, il a louché. Hein. Oh, on utilise son E très tôt pour Chovy. Ok, bah c'était forcément. C'était dans mon livre. Hein. Oh, le petit pas était bon, la Chovy. Hein. Bon. On va donner premier sort, mais pour moi, le stun de Rel, monsieur l'arbitre, Mathieu, si tu peux revenir au cast en vite fait, là, si tu me permets. La barre, elle est pas valide. Je demande si on me permet. Mais en vrai, je suis surtout étonné que Chovy ait utilisé son E de la sorte. Réel. Utilisé si tôt. Il n'y a pas le flash qui a été utilisé. Bon, ça a été un premier kill tranquille. Beryl qui a été du coup le premier. Le premier à pouvoir bouger tranquillement. Et du coup, bah, Chovy va se prendre un deuxième gank. Mais cette fois, il est bien couvert. On avait sa TP de up. On est toujours bien au niveau des CS. Happens, on perd pas son flash et tout. Il aurait pu flash derrière le mur, mais il y avait l'ignite. Donc Chovy, je fais le choix de conserver sa ressource. Et a raison, je pense. Canyon proactif qui vient voler des camps. Je crois que le gros a été récupéré par Piosic tout de même. Okay, il a récupéré les petits, mais. J'ai pas vu exactement ce qu'on avait pu, manger. Les golds ont pas été bien montrés. Je vais continuer de mettre du rythme. Chovy qui meurt, qui revient avec un cull. On a vraiment cette volonté de scale et on continue de remporter les trades en plus de ça. Après, cull contre tir en soi et un petit peu d'armure. On est sur le même topo, hein. Okay. On a réussi à cracher une grosse wave pour Paze. On va être obligé de back parce que de toute façon Deft a une TP, donc après avoir pris tout ça, on va pouvoir revenir tranquillement. Oh! Ok, l'orange a été bien calé. Et on obtient la move speed bonus avec le baril qui ne s'en sort tranquillement. Enfin tranquillement. Il s'en sort. J'ai une bonne chose. Alors. Et il a même pas entendu niveau 3. Non, il était là niveau 2. Beryl qui a décalé niveau 2. Ah, pour moi, il a dodge, frère. Le sidestepping était bon pour Chovy, mais le stun de Rel. Merci Beryl pour les travaux. Et Lens qui essaie de rendre l'appareil. La wave, le roi, frère. La bête. Allez hop, tu vas devoir crash une wave supplémentaire, Bididi. Avec un niveau 5, on n'a pas encore les roquettes pour push. Passage niveau 6 pour Kin, pour avoir un impact de l'autre côté de la carte. Normalement le premier ulti gangplank qui est tout de même très souvent utilisé dans son 1v1. On va voir ce sera le cas cette fois. Permis à Bididi de remonter en termes de CS tout de même, parce que malgré la mort, Chovy avait une bonne douzaine, quinzaine de CS d'avance, c'est plus le cas. Kull continue de se stacker tout doucement par contre pour le joueur de Draven. Contre héros de la fight, trade plutôt classique. Game Renekton Corki quand même qui vont pouvoir avoir un certain poids en side et surtout un Ziggs. À partir du moment où on a 4 Void Grub, ça peut être vraiment terrifiant pour les Gen.G. Les 3 premiers vont être perdus, les prochains devront être défendus. On n'a pas d'ex-flash mais on a un flash tout pour Beryl qui peut peut-être aller chercher quelque chose sur Canyon. Ouais, on est là pour couvrir les corbins. Il va quand même prendre les corbins. Ouais, il va tenter. C'est hein. Couillu ça, Canyon. Hein. On est passé niveau 6. Ah, ça a évité la roquette. Bididi qui va y aller avec un flash in. Canyon est mort et je pense que c'est une mort méritée. Il est allé un peu trop loin sur ce coup-là. Deft, le flash out. Ça le permet d'éviter le R de Draven. Deft doit continuer de reculer. Nouveau kill récupéré par Bididi. C'est une superbe phase de jeu du côté des KT qui cette fois-ci ne se laissent pas avoir et punissent le manque de respect de Canyon. 4-0 pour Bididi après toutes ces interactions. Bah, on était déjà prêts à répondre, on était déjà au bon endroit, au bon moment pour les KT, on savait ce qui allait se passer. Non frérot, t'as été spot, faut respecter, reculer, et ces corbans ils sont pas à toi, Happens. On va dash in, on va double dash in même pour faire perfect, le slice, le dice, le stun, on a l'orange, on a le flash pour Kin. Et on va le repousser sous sa tour, le canon est tout de même récupéré, c'est trade clairement remporté par perfect. Qui est un Renekton solide hein, pour le coup, c'est une belle prestation pour le moment. Maintenant on va voir ce que Gen.G vont faire avec un sacré retard à la mid lane parce que là le
Le Draven va pas pouvoir pousser autant que ce qu'il faisait dans les matchs précédents. Attention par contre, perfect, le nouveau dash in au moment où Canyon va arriver. Ce qu'on peut éviter, okay. On a toujours un flash de up, ça devrait aller. Canyon reconnaît la situation, il va pouvoir reculer. Et on va revoir hein. Canyon complètement vu. Les KT qui avaient déjà commencé leur route vers le bot side, ils s'attendaient pas à ce que Canyon disrespecte autant. Canyon a abusé du bail. Quand même l'endormissement. Et là le flash de Deft est également très très bon, hein. Il n'y aura pas de trade. Je trouvais qu'il s'était pas où donner de la tête, il a deux adversaires endormis à côté de lui, mais de l'autre côté il y a Deft qui a un HP, il y a peut-être un Kashin à aller chercher. Il va d'ailleurs déclencher son ultimate dans l'autre sens. Deft a très bien bait. Ah, on peut voir les coaching staff aussi expressifs, c'est cool de voir cette séquence. Ça a pris 3 kills en early face à Genji, ça célèbre, tu vois. On en est là. Et à voir normalement comment ça va se passer, mais là, ouais, le match-up mid lane et. Allez, les dés sont pipés là. Ouais, normalement, ouais. 4-0, il a cet habit, l'autre est sous cull. Sa preuve empirique, il n'y a pas de dégâts là pour Chevier. Il a loupé le canon là où j'ai rêvé. J'ai pas vu précisément. Oh, mais tu lui as mis une auto, ça n'a pas fait de dégâts. Wouah. Un Draven voilà, qui fait pas de dégâts. Chevier n'est pas bien dans sa game là. Il est mort 2 fois, il a pas pu avoir de cash-in. Chose qui avait été le cas lors de la game précédente avec interaction assez particulière avec Aurora quand même. Je pense que ce cash-in aurait pu être évité. Dans cette game, il n'y en a pas pour le moment. Canyon qui vient chercher son reset. On a déjà un Iron Solari et des HP en face. Bon, ok, qui change tout doucement de build peut-être. Parce qu'on a beaucoup voulu Liandry. Quand c'était pas Liandry, c'était Warmog. Loquette un petit peu moins maintenant, ça coûte très peu cher, donc on peut comprendre pourquoi. Léen, ce petit passage au niveau de la mid lane, donner un petit peu d'espace à Chovy, il va en avoir besoin d'espace. Bon, maintenant quand je regarde les autres lanes, je vois également un Perfect qui a bien démarré cette partie. Il a un avantage de farm qui est tout de même conséquent, on a une flaque qui a été récupérée. On va utiliser son ultimate sur la wave pour Chovy, Léen veille toujours au grain. Peut toujours permettre à son midlaner de crash sa wave, de toute façon Ezreal au bot peut se débrouiller seul. Il n'y a pas de flash sur Beryl, il y a un next flash mais il n'y a pas de flash. De toute façon t'as vraiment pas envie d'utiliser ton flash sur Ezreal, c'est compliqué d'aller le catch. Est-ce que c'est la game de Trace? Nice, le slice, le dice, midlife pour Kin. Il n'y a plus de cookies cette fois-ci. Et Canyon n'est pas de son côté de la carte. Il y a un chaud coup à jouer, ah Piusi qui a été spot par cette ward. Il y a vraiment un coup à jouer sur ce topside et ces votes sont encore plus importants. On l'a dit, un Renekton Corki Ziggs. En termes de side lane, de push, il y a vraiment des choses à faire. Canyon va d'ailleurs se retourner, mais non, il va rester bot side Canyon. Oula, attention. Heureusement que les creeps sont pas morts sur le baril. Mais on voit que Kin commence à pouvoir défendre sa tour très efficacement. Une nouvelle fois, Beryl qui est aux aguets, prêt à défendre. Les camps de son jungler pendant que celui-ci est en train de récupérer les grubs. Ça va faire 6, hein, tu l'avais mentionné. Maintenant c'est bien confirmé. Tu laisses un Ziggs. Une minute sur une tour. La tour n'a même pas le temps de durer la minute. Ouais. Maintenant la mission là pour les KT, puisqu'ils ont récupéré le héros de la fin un tout petit peu avant, c'est est-ce qu'on peut défendre ce Drake? On est en train de prendre les corbas, est-ce qu'on va aller au grand? Je pense qu'il faut reset et courir au dragon pour Piusi. Ce dragon est défendable en vrai. Hein. Ils ont tellement d'avance. Et KT là 2000 gold d'avance, un BDD un peu sur orbite, il n'y a pas de premier objet par contre pour DDD. Il y a un trade qui va être déclenché à la mid lane, ce trade semble aller en faveur de Chovy. Ouais, en soi on a quand même mis plus de dégâts pour BDD mais on a du sustain après pour le mid laner. On a reset pour Piusi, on va y aller nature peinture. Ouais. On va se battre dans la rivière mais BDD est dans le coin, Chovy lui ne l'est pas forcément. Ça va dormir, l'ultimate de Draven et Canyon qui va venir récupérer un kill. De l'autre côté c'est simplement les Hens qui mort, Tajin de la part de Paze, Ewin également. Et encore une fois, une phase de jeu remportée par les Genji, on ne sait comment. Ils prennent un 2 pour 1, ils prennent le dragon. Ouais, il y a eu un moment où KT était devant. Ils sont toujours devant, factuellement. Mais on a tout de même un ulti Gangplank qui vient tronquer l'ensemble de l'échange. Je comprends pas cette équipe. Cette phrase va pour les deux, genre. Mais ouais, en vrai, la volonté de fight, elle est normale. Mais forcément, BDD qui a autant de shutdown sur la tête, c'est lui qui se prend le focus de Canyon. Et du coup, le shutdown a été récupéré par la Lilia. Lilia qui est pas si bien que ça dans la game, vu son montant de forme par rapport au Maokai. Mais ça vient de récupérer un Pactol.
Tu sais ce qui me dérange ? C'est que Ezreal no flash, mais je sais que dans les 5 minutes qui suivent, il va pas être dérangé ce Ezreal. Ah mais mec, dans la game là, il va pas être dérangé ce Ezreal, donc no flash Ezreal, mais sans conséquence. T'as d'autres problèmes ? Qui me donne tort, mais je ne pense pas. En vrai, la volonté de fight de KT, elle est normale. T'as un surnombre, t'as ton corps qui est bien, mais là, le flash de Canyon, t'as l'ulti gangplank au bon endroit. Tu peux pas flash ? L'arc qui est bon, donc ça veut dire que t'as deux mecs qui sont pas là, mais qui sont là quand même en fait. C'est ça. PS qui ulti de l'autre côté de la carte, GP qui ulti de l'autre côté de la carte. Donc. Et franchement, est-ce que le Draven est vraiment là ? Draven, il met que son ult, hein ? Ouais, en vrai, oui, mais c'est suffisant. On nous a tout de même montré que la première tour a été récupérée au niveau de la mid lane. Avec les Stig Grubs, je pense qu'il y a un Ziggs qui est passé par là. Et en quelques autos, qui l'a récupéré. Il y a tout de même des très bonnes nouvelles pour KT. Maintenant, tous les kills sont concentrés sur un seul homme. Je rejoins le chat, je pense aussi que BD a mis tous ses dégâts sur Nautilus. Et pas sur la Lilia. Ça, c'est dommage. Canyon va être dans le coin. Attention, perfect. Il a un flash de up, cela dit. Ok. Est-ce qu'il a pris la graine ? Je ne crois pas. On a un flash de up. Mais tant qu'il prend pas de sort, il peut pas être endormi. Mais de toute façon, elle a même pas son air Canyon. Mais... la Lilia, mais faut laisser Akin. Est-ce qu'on peut ? Ouh là là, Renekton, ça fait peur. Ouais. Renekton, ça fait peur dans ces conditions. On avait quand même encore une orange pour Kin, ça va. Il a joué avec le feu, mais on se brûle pas pour le gangplank. Et il avait une éclipse, c'était possible qu'il éteigne le Renekton, ce sera pas le cas. Mais il avait pas d'ulti non plus le Renek, on l'avait vu l'utiliser juste avant, et c'est pourquoi Canyon s'est avancé de la sorte. Mais ouais, on remonte, on revient. À bout de bras, au forceps. Mais on trouve des plays positifs pour les JNJ, peu importe la situation. Et du coup, le Renekton, plus de flash. Là où je t'avoue que... Et lui, je sais qu'il va être dérangé, ce Renekton, c'est ça qui me dérange. Ouais. C'est ça le problème. Ezreal, il va rester sous sa tour bien azelé, pépélé, bien posé. On doit te faire en éventail. Il est là en mode... Renekton. Ziggs va mettre 2-3 bombes sous la tour et après il récupère la full wave. Renekton, s'il a le malheur de s'approcher d'un creep. T'es baril sur baril. Non, il rentre en personne. Allez, viens là. Oh, perfect. Ah, Genji, c'est trop grave. Aïe, 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 aïe. Ils sont trop méchants. C'est trop. Au pas d'instant, il récupère tout de même une T2 sur le top side. Quoique, attention, Kin peut être en difficulté. On a des barils, on a réussi à flash out. Mais Piosnik va forcer pour récupérer la T2. Regarde, Chauvy reste au bot, il est même pas inquiété, il a une TP de up. Il peut même trouver la TP flank dans le bush, il pourrait les rejoindre, mais Chauvy et ses ressources, une grande histoire d'amour. On n'est pas encore à 16 minutes, on doit aller les chercher, et voilà, on y est. Et d'ailleurs, c'est un premier kill pour Draven, hein. Ouais, il a le cash-in, ça fait un moment qu'il était en vie. Oh là 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 là. Ah bah ce flash, il l'a regretté. Mais en fait, c'est trop en fait. Ezreal, tu le vois flash out, tu sais qu'il est tranquille, lui flash out là, dans les 40 secondes qui suivent, il est puni. Bah ouais, forcément. Tu vois la bot lane top, tu te dis bon, lui il va réopen bot. On a un truc à faire les gars. Ça arrive, ulti Nautilus, ulti Lilia. Bouge pas de là, c'est terminé. Non mais c'est trop sérieux. Il le savait déjà. Ah, du coup, ça remontait au gold pour les Genji. Côté KT, on a quand même récupéré des tours. On a toujours un Corki qui est bien. Mais après, ouais. Héros de la faille a pris T2 top et tout, mais. Après, en termes de gold, non, Chauvy est encore bien derrière quand même. En termes de farm, le kill, faut doser. Mais. Le kill, le cash-in l'a tout de même sûrement permis de revenir un peu. Muramana qui a été proc pour le Corki. Un Corki qui est huge. Hein. On veut Dominique 2 pour Chauvy. Ouais, bah il avait fait la même chose dans Réel, Renekton, Maokai, on peut comprendre. Et de toute façon, ça va taper de la fronte. Hein. Ça va taper de la fronte et même face au Tabi, hein, ça va avoir sa valeur. Mais Katie, encore une bonne nouvelle. Hein. Le petit passage de Piosnik, on va prendre de la vision un peu loin, on va valider la T1, on valide le dragon immédiatement après. Ah,
c'est tout de même KT qui est en possession de la game pour l'instant. Pour l'instant. Dragon récupéré par les KT, c'est un dragon des océans. C'est bien contre Ezreal. Bon, un petit peu de sustain. Après, avec Draven, Nautilus et tout, ça peut aussi être des gros all-in et pas forcément avoir le temps de récupérer ses points de vie. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est bien s'ils arrivent à la deny aux adversaires parce que le Ziggs aurait beaucoup de mal à avoir de la valeur si jamais on récupère une âme des océans pour les Genji. Est-ce qu'on a un nouvel item pour Kin? Non, pas encore. Alors qu'on a le deuxième item pour Paze, mais la Muramana est loin. Il a 285 stacks de mana mune. Faudra attendre un peu pour avoir le power spike, mais il y a un monde où les Genji vont tenter de rejouer un fight à partir du moment où on a le spike deux items sur les 4 carry. Pour l'instant, on n'a que sur 2. Celui de Deft approche grandement. Là, on a l'archange, donc on va avoir pas mal de survivabilité. Attention, les Hens qui n'est peut-être pas dans le meilleur des spots. Paze va être dans le coin également. Après, la T2 top est tombée, j'ai un peu de mal avec ce positionnement jungle top. Alors, en soi, il n'y a pas de dragon à jouer, ils ont juste envie de prendre une vision assez haute pour être sûr que le Baron Nashor est sous leur contrôle. Réel. En termes de contrôle de cartes, je pense qu'ils sont tout de même au bon endroit pour. Il y a du monde pour les Genji pour répondre. Oh. Maokai a très bien buffer son Z et ça va déclencher téléportation de Chovy ou de Kin, plutôt téléportation perfecte également. Les deux top laners vont rejoindre ce fight. Beryl peut reculer, Renekton est au milieu de la mêlée, il est en train de tout arracher. Canyon tente d'aller chercher Dev. BDD va flash in sur Paze. BDD peut aller récupérer ce kill. Est-ce que Canyon peut s'en sortir? Il a un flash, il pourra s'extraire. Fight remporté tout de même du côté des KT. Et pas de Baron Nashor de disponible. Non, 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 le Baron Nashor n'est pas encore là. Par contre, Chovy face à BDD. Oh, les dégâts de BDD. Il vient de calmer immédiatement le midlaner Genji. C'est un 3 pour 1. Beaucoup de flashs ont été consommés dans toute cette opération. Donc, ça aura des incidences sur le suivant. 100% de KP pour Monsieur BDD hein, et son Corki. Oh, la téléportation dans le dos. Récupérer Red Buff. Ok, il va essayer de le traverser, mais les dégâts sont trop élevés. 8ème kill en 100% de KP, toujours pour BDD qui est au four et au moulin. 20 minutes, ding 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 ding, le Baron Nashor qui va être disponible. Il n'y a plus de smite, il n'y a plus de flash, il y a très peu de raisons de venir chercher un steal pour Canyon. 25 secondes de respawn time. Renekton est en chemin, Deft va être présent, BDD également, ils ont du DPS en vrai. Ils ont pas mal de dégâts sur ce Baron Nashor, Chevy va tout de même téléporter. Il y a un ulti sur Paze. Il n'y a pas d'ulti sur Kin, pas d'ulti sur Draven, ouais. Ça se joue pour les KT. Ils veulent jouer le 4v5, ça s'avance. Le premier tir mystique qui a touché du côté de Paze. Nice. L'ulti de Deft qui va mettre des dégâts sur 3 personnes. Piosi qui est toujours en train de tanker le Baron Nashor. Mais les dégâts de BDD sont bons. Ils peuvent pas. Et les Genji se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le contester. Les KT roster récupèrent un Baron Nashor à la 20ème minute de jeu. 4000 gold d'avance. 3000 plutôt, parce qu'on est bientôt à 38k pour Genji ici. Et un Baron Powerplay à venir. Et par contre, Piosier qui pose sa pique, qui veut faire son Z immédiatement. C'était très solide ça, Piosier mécaniquement. Ou plutôt en termes de réflexes, parce que c'est pas très mécanique non plus à faire. Il a vraiment joué très vite. Il a très très bien réagi. Fight bien maîtrisé. Perfect qui dort de l'autre côté, qui va tomber sous les coups de Chovy tout de même. Et les KT bien regroupés vont bien défendre le tout. Et surtout dans un deuxième temps là, la TP de BDD pour venir fermer le chemin à Canyon était très bonne. Est-ce que Canyon aurait dû repartir vers le bas, aller se battre face à Deft pour partir au bot, mais après la map est un carré, la situation aurait pu être la même. Très bonne téléportation de BDD, très bonne vision de jeu tout de même de la part de KT parce que Deft était déjà là pour pouvoir contester le red buff. Il savait ce que Canyon allait faire. What is he cooking? De quoi? On a l'affiche Baron Powerplay, mais c'est quoi ce truc dans le deuxième item de qui? L'opportunité, hein. Moi, je sais pas, hein. Mais... je connais pas les stuffs de Gangplank. Après, Gangplank fait partie des persos qui peuvent tout build. C'est vrai que l'opportunité, c'est genre de la létalité. Quand tu tapes, tu cours plus vite. Est-ce que c'est ce dont un GP a envie? Je sais pas. Après, faut dire que toujours penser que la létalité est très efficace sur un Gangplank parce que tes barils ignorent une partie de l'armure. Ouais. Donc comme t'as déjà de l'armor pen de base, la létalité a encore plus de valeur que sur d'autres champions. Non, je peux voir, mais c'est vrai que l'opportunité ça m'étonne un peu. Après,
Je vois pas beaucoup de GP, je sais pas à quel point c'est optimal ou non, mais dans l'idée que je me fais de GP, c'est pas l'item que je serais allé chercher. Mais... Non, on fait partie des champions, de toute façon, on les voit mince souvent, et Keen est un grand joueur de Gangplank, donc on met pas en doute ses choix. 100%. Mais il y a peut-être même un délire, tu sais, à une époque, il y a Serpent Fang qui se faisait, mais c'était même pas pour l'anti-shield, c'est juste parce qu'en termes de gold et de stats, c'est ce qui donnait le plus de trucs. Je sais qu'Opportunité donne beaucoup de létalité aussi avec le passif. Donc c'est peut-être tout simplement ça. Comme on me le suggère dans le chat, je ne l'ai pas inventé. Ouais, l'opportunité. Quand t'es pas en combat pendant, je crois, c'est 7 ou 8 secondes, les prochains dégâts que tu mets sont renforcés. Oh, Katie, attention. Oh, Katie, attention. Mais va y avoir un flash in de la part de Pizzy qu'on veut jouer proactif. Il y a la marque tout de même de la Lilia, mais on peut pas forcément endormir. No flash Maokai. Ouais, et on a plus de purge pour Paze, mais en tout cas son réflexe était extrêmement bon et on comprend pourquoi il était parti sur ce meneur et pas pour défendre cette position. Par contre, Perfect qui cherche un flank, Dominus a été utilisé. Hein. Ah mec, on n'arrive pas à rentrer pour les Genji, les Kaitis sont très patients. Ah mais Perfect a utilisé son ulti, il n'y a plus d'ulti Renekton sans trop de raison. On va quand même pouvoir récupérer ce dragon, donc ça devrait aller pour Perfect et les siens. Ah, c'est très bien joué de la part de Katie. Hein. On n'est pas allé trop vite, on a vraiment d'abord sécuriser la position avant de valider l'objectif. Et c'est un Baron Ashford qui leur permet de prendre un nouveau dragon, mais surtout les deux dernières T2, ils ont ouvert toute la carte. Hein. Toute la carte a été ouverte. Oula, Canyon, de la part de Canyon. Fois, hein. Canyon, ça fait deux fois qu'on disrespecte, qu'on va peut-être un peu trop loin. Il y a la de bombe sortir. De Deft, il y a Beryl qui va l'attirer également, et une nouvelle fois sous les coups de BDD. Hein. Staz ou non, à moins que Deft le récupère, ce sera BDD. Canyon, c'est des positions peut-être... un peu trop ambitieuse. Ouais, il a envie de contester à des moments où KT sont censés back, sont censés reset, mais on revient avec la TP, on reste très très haut sur la carte en permanence. Peut-être très bien joué de la part de KT. Hein. Peut-être qu'il ne voit aucune solution et qu'il veut renforcer Canyon. Parce que là, on revoit. Oh non, il abuse. Après, il... Mais regarde où est son équipe, il a pas rien là. Ouais, c'est une Lilia en vrai. Hein. Ouais. Il y a dans Rel, dans Maokai, dans... Ah, on voit, c'est bien fait contrôler. Rel, Maokai en vrai, mais... Ouais. Ça claque des TP pour vous venir le punir. Le dragon vient d'être perdu, ce scuttle ne sert strictement à rien, c'est ça aussi le truc, c'est que pourquoi le contester genre. Bah c'est des golds. Ouais. C'est des golds. Ouais. C'est des golds pour la Lilia. C'est un moment aussi, si c'est un V1, il arrive à bien s'en sortir, mais... Non, la réaction de Katie est vraiment bonne. On joue patiemment, on garde bien les positions. Et ça se dirige de plus en plus vers la deuxième défaite de Genji de la saison. Deuxième excuse de tomber, ça pourrait être le cas. 5000 gold d'avance, Perfect qui va. Ouh, ce grab était... Monsieur Lavar également, il était tendancieux. Il y a eu un crochet, je sais pas si c'était Starak qui a été proc ou si c'était plutôt le Loket. C'était Starak. C'était Starak qui a proc. Il y avait l'Iron Solari de Maokai juste à côté de lui, donc ça m'a fait douter. Va récupérer une QSS pour Chovy, ceinture de Mercure qui vient annuler un contrôle de full si jamais. On l'a également sur BDD hein, pour pouvoir réagir au dodo de Canyon. C'est la plus grosse menace qu'il a sur lui, forcément. Avec 9 kills sur les 10 de son équipe, un BDD il a pas le choix, tu dois faire des items défensifs. Hein. Parce que si tu tombes au final, tout l'avantage au gold que les KT ont se fait annuler instantanément. On va voir si les Genji vont pouvoir faire un miracle parce que là, on y arrive petit à petit hein, dans le domaine du miracle. 10 secondes avance Baron Ashor. Pas de T2 mid, pas de T2 top. Et une Wavebot qui push tout doucement également. Donc ouais, il y a une vraie menace. Une vraie menace autour de ce Baron Ashor. On va utiliser l'arc Térébrant, mais ce sera sans conséquence. Ça touche personne. Ça donne simplement un début d'info sur le Ashor. On va réussir à avoir la priorité mid lane, mais on pourra pas aller taper la T1 du tout. Que ce soit Corki ou Ziggs. On peut pas avancer. Dans le chat, on nous parle des stacks sur le Draven, 179. Okay. Et attention, parce que ça fait 200 stacks. S'il a le malheur de prendre un kill sur BDD, cette game est relancée. Après, je crois qu'il y a bien un cas sur Corki. Hein. On voit tout de même la manière dont les fights doivent être joués. Pour Genji, avancer sur la composition KT, c'est loin d'être facile. Alors, c'est plutôt... les roquettes de Corki, les bombes de Ziggs.
On a tout de même beaucoup d'outils pour réussir à être en réception. Et là, c'est vrai que le Sterak est revenu. T'as un Loket, t'as des Warmog. C'est dur à venir chercher les Keiichi, clairement. Peril vient défendre sa pink. On sait que cette pink est importante de garder la vision, la position autour de ce Baron Nashor. Canyon va tenter de re-rentrer une nouvelle fois dans cette rivière. Ils vont rentrer dans deux flancs. Qui n'est pas ce côté bot side, Canyon. Ainsi que Chovy côté top side. Les Hens arrivent tout juste avec son Nautilus. Ulti GP pour Poke. Les Keiichi désengagent ce Baron Nashor. Et un dragon. Dans 50 secondes également. Super bien ce qu'ils font. La manière dont ils jouent hyper patiemment les KT. Hein. C'est très très bon. Il y a un flash pour Maokai. Oh, regarde, du coup, ils l'ont viré de la mid lane. C'est tout droit vers la T3 mid. Parce que forcément, Genji sont séparés sur la carte pour réussir à rentrer dans droit différent pour pouvoir contester le Baron Nashor. Le truc, c'est que là, tu peux soit relancer Nashor, soit aller au Dragon des Océans qui mettrait à pression de Soul Point. Donc, belle réponse de la part des KT. Clairement, cette graine va être évitée. On s'extrait une nouvelle fois. Côté topside. Est-ce qu'on veut Baron Nashor? Est-ce qu'on veut bait quelque chose? C'est là où leur vision est encore posée, ils jouent sur leur pink ward. Et ça se voit. Il n'y a pas de blue trinket. Il n'y a pas de blue trinket côté Genji. Ils ne peuvent pas spot si avec un arc térébrant. Canyon une nouvelle fois fait le déplacement, mais il a été spot Canyon. Il y avait une ward bleue au niveau de ce top side. Oh. On a un flash in du côté de Piosik, mais Piosik doit rester sur ce Baron Nashor, conserver son smite. Canyon est en stase, mais Canyon devrait mourir. Est-ce qu'on peut se retourner pour les KT? Beryl prend plutôt cher. Ouais, mais on a réussi à temporiser, le baron est pas encore terminé, l'ulti de Death ne va pas mettre tant de dégâts que ça. Faut aider Piosik, faut aider Piosik. Et Bididi va venir l'aider, le kill est récupéré par le mid laner, on a Beryl qui va arriver également, Kin qui va tenter son Vatu mais qui va se faire avoir, il ne reste plus que Paze et Chovy à deux, le premier tir mystique qui terminez va réussir flag, à prendre le kill. Mais le baron Nashor est bien validé par les KT Rollster, Perfect qui arrive, qui se fait balader pour l'instant, la purge va être instantanément utilisée, Paze qui va se repositionner, on a encore le flash, on continue de kite comme un fou furieux. On a encore un tir mystique mais on ne va pas réussir à le toucher. Le kill est récupéré par les KT Rollster. Le baron Nashor est récupéré et on se dirige normalement vers le Nexus de Genji. Les KT qui le foncent avec la deuxième équipe de ce summer à prendre un Nexus au Genji. C'est fait, une game rondement menée, bien maîtrisée, 30 minutes de jeu. Les KT autour de ce baron Nashor, on a pu avoir un petit peu peur mais les Steven Grubbs ne perdent jamais. Les Steven Grubbs ne perdent jamais, c'est une excellente game BDD, 12-1-3, 100% de kill participation pour le midlaner des KT. Faites-moi tomber ce Nexus, s'il vous plaît, je vais commencer à me zèf, tu vois, je vais commencer à me fâcher avec vous, faites tomber ce Nexus. Le dashing de BDD, il a les dégâts, merci. Il connaît exactement, et le Nexus est annulé, ils l'ont fait, ce n'est pas le BO3 de gagner, ce n'est qu'un Nexus de récupérer. Mais la foule est en folie. Le chat est en folie. KT ne... ils nous ont fait transpirer quelques gouttes sur la fin, mais ils récupèrent ce Nexus. Perdre contre les bros pour gagner contre les Genji. On parle de perdre un BO et gagner une game, donc pas encore de bilan à tirer, mais BDD on Corki aussi également, qui fait deux très très grosses games de Corki, surtout la deuxième clairement, avec 100% de KP. Et les KT doivent serrer les dents, ils doivent rester forts, ils doivent garder la tête haute. Parce que si quelqu'un peut aller chercher les Genji, c'est eux. Forcément. Et toute cette game, le début du snowball est donné. Canyon, c'est Corbin. Est-ce que tu avais besoin de les prendre au nez et à la barbe de trois adversaires qui t'attendaient? Chacal, t'as abusé atroce, Canyon. T'as disrespect de ouf. Allez, et Corbin, et le Scuttle, moi j'ajoute. Gold by gold, ah! Il a abusé de ouf. En tout cas, très beau contrôle à partir du moment où BDD a eu ses 3 kills. La pression mid lane, la manière dont ils ont joué les objectifs. 1000 de DPM, hein. 30 minutes de jeu, 31 000 de dégâts pour BDD, qui fait vraiment une très très grosse partie. Après, les 3 ou 4 kills en early head, clairement, mais il les a bien convertis, et on n'a pas rien fait de ces kills. Clairement, parce qu'au moment où il meurt, où il était en 4-0, il passe en 4-1, on se met la mode. Bon bah, Genji vont faire du Genji, vont réussir à remonter dans une situation qui est plutôt compliquée, mais non, ça a bien été lock. Entre l'état de forme des Genji et la gueule de la première game, je pense qu'on a eu un crash boursier en termes de croquettes qui a dû être mais incroyable, genre. Ouais. La cote des Genji devait être très très haute. Enfin très très haute du coup. En vrai c'est là que la game est perdue, hein. Ouais. C'est là que la game est perdue. Franchement pas loin, ouais.
que là, Def qui baille très bien, Chovic qui s'est pas trop donné de la tête, qui meurt une nouvelle fois. C'était sa deuxième mort, il me semble. Donc les stacks d'adoration étaient loin. Il n'a pas eu de vrai cash-in dans cette game. Et c'est... Après, ils vont sûrement aller blue sides, mais... Si tu piques pas Corki, faut le ban, hein. BDD est vraiment un gros PO, une grosse semaine dessus, là. Très très fort sur son Corki. Je sais que la Corki égale Chovy, Chovy égale Corki, donc... Clairement, il pourrait également le prendre. Reste à voir si Aurora sera disponible au cours de la game suivante. Mirf qui nous dit, j'ai fait x10 niveau croquette. Très bien, félicitations à toi, ça m'étonne pas du tout. Ça a fait confiance à Katie dans ce genre de situation. Ça part sur All-in Genji Game 3. Attention au nouveau crash de Croquette. C'est cool depuis des semaines que s'il y a une équipe qui peut venir déranger Genji, c'est bien eux. On a prévenu, peu importe la situation. T'arrives en plus, ils ont perdu les deux derniers VO. Accompagné de Lienz et Canyon pour défendre. Et après cette TK, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se battre et pas attaquer l'autre T4, c'est un petit peu particulier. Là ça reste côté droit, ça cherche le fight plutôt que l'autre T4. Ouais, avec la Lilia qui a été renvoyée à la base, avec les surnoms un petit moment. C'est comme Rogue et G2, pas loin. Avec Katie un peu plus fort que Rogue quand même, mais c'est vrai que G2 n'arrête pas de perdre contre Rogue, personne ne sait pourquoi. Nice, le petit Nexus qui est récupéré. Bon bah ça fait un partout. Ouais. Ça fait un partout. Le deuxième Nexus de Genji vient de tomber et bah ça va être au tour de Katie de voir s'ils peuvent réussir l'exploit que les Damwon, les D+, n'avaient pas réussi. En tant que T1 fan, je dois vraiment dépendre des Katie si je veux espérer que notre corps ne tombe pas assez. En tant que T1 fan, normalement, triste. Tous les fans T1 sont au courant. Votre destin est étroitement lié avec les Katie depuis des années. Et de Télécom. Depuis des années, toujours, toujours. Télécom Team, mais maintenant on doit dépendre de Katie pour espérer que Genji ne réalise pas le 10-0 comme on a pu le faire. C'est qui empêche les records de Genji? C'est qui empêche que tous les records de T1 Katie. Ne soient pas battus? C'est Katie. Toujours. Nos meilleurs toujours. Amis et nos meilleurs ennemis. Clairement, clairement. C'est genre, c'est ton frère. Ton frère, tranquillement. Il y a des moments où tu le détestes, il y a des moments où tu l'adores, et on est dans un moment potentiel où tu peux l'adorer. Toujours. Bah écoute, on saura si on l'adorera ou non dans cette Game 3. Petite pause, Genji, Katie. L'histoire s'écrit ou non. A tout de suite. Un partout. On va bien en Game 3 dans un BO de Genji. Ce n'est arrivé que deux fois cette année. Vous êtes présents pour la seconde. On va bien voir si les Katie vont réussir l'exploit de faire tomber Genji. Maintenant, on arrive dans une Game 3. C'est Genji qui a le choix du side. On rentrera bien évidemment dans les nouvelles contestations possibles. Mais on a déjà une petite porte d'exploit. Ça leur ressemblerait bien aux Katie hein, de perdre contre des équipes milieu, bas de tableau et de gagner contre le top du top. Mec, là, ce serait leur DNA. S'ils gagnent là, leurs 4 derniers BO, 2 défaites, 2 victoires. 2 victoires, Genji HLE. 2 défaites, Bro et Kwangmo Frix. Un mystère. Katie. Un mystère. L'équipe qui joue contre les grands et qui s'endort un petit peu contre les plus petits. Il y a eu un BO crochet contre T1 aussi en télécommun il y a quelques semaines de cela. Mais c'est Katie à voir s'ils peuvent vraiment aller chercher, aller déranger les Genji jusqu'au bout. En tout cas, cette Game 2 était franchement solide. De toute façon, tous les fans Katie sont bien au courant. Là, ils ont pris un Nexus. Bien, on est bien contents. De toute façon, il n'y a aucun moyen, vraiment aucun moyen que Katie prenne le troisième Nexus. Oui, ils ne gagneront pas dans tous les cas. Bah non, c'est Genji. C'est ouais. Genji. Genji va juste prendre le 18-0. La Golden Road complète, la totale, tu vois. Ce n'est pas aujourd'hui que Katie va perdre un BO. C'est impossible. On donne tout ce qu'on a. Voilà. Alors, donne vraiment tout ce qu'on a. Maintenant, à voir quel va être le visage de la draft de Genji, si on verrouille complètement et si on empêche Katie de faire quoi que ce soit. Mais donc, là, ça va cook, hein, je pense. Je pense que ça va cook. Je pense que ça va ranger le Draven. Possible. Hein. Draven qui gagne pas sa lane, on voit à quel point c'est compliqué. Ouais. On voit à quel point c'est compliqué. Et en fait, j'ai presque envie de te dire, là, tu bannes Corki, tu piques Azir pour Chovy. Et tu vois, hein. Plus passer grand-chose. Possible. Bididi. 100% de kill participation dans cette game. Il était sur les 17 kills de son équipe. Une seule mort seulement. On n'avait même pas de discussion sur le titre de MVP, tellement c'était une évidence. Tout comme ça l'était pour Keane. Ouais. À voir si le média numéro 3 a une petite surprise à nous faire encore. Là, vraiment, en fait, je ne vois pas qui d'autre tu peux mettre.
Ça a tellement été le personnage principal, le fait qu'il ait la pression mid, gagne l'early mid game, en teamfight il est là avec full DPS, il termine avec 1000 de DPM. C'est Big D qui a assuré. C'est ce mec, hein. Le main character. Oh là là. Et on est bien en termes de player of the game point. Juste au milieu de deux joueurs Gen.G, tranquillement. Et après, il y en a du monde, hein, qui a 7 titres de MVP chez les HLE, chez les D+. Pas beaucoup de midlaners dans le tout haut du classement, donc c'est bien pour BDD, qui est au milieu de beaucoup de junglers. Et bien numéro 3 qui cette fois-ci respecte, il y a un vote pour Beryl, deux votes pour Beryl, qui était sur sa REL, et un vote pour Maokai, que je comprends un peu plus que Beryl, tu vois. Après, Beryl, tu vois, c'est le... En soi, c'est lui qui prend le... qui initie le catch... dans la jungle botside, là. Ouais. Il est dans les bons coups, tu vois, je peux le comprendre. Il y a également, en vrai, le passage mid lane niveau 2. Bon, met bien. Ouais, il met bien le corki, c'est ça le premier kill, hein, c'est ça qui est amené. Donc, ça, en vrai. Ah non, ils ont changé. Ils allaient envoyer l'OST Champ Select de fou, mais ils ont changé, ils se sont ravisés. Dommage. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de soucis. Mais en vrai, allez, les votes sur Beryl, pourquoi pas, il a également eu son impact. Bon, les Gen.G ont blue side désormais, tout comme. La game 1, ça avait été un first pick Aurora et Katie qui vont donc être obligés de la retirer vu ce que Kin a fait à la première game. Ah, je suis abattu, c'était l'OST de fou là, normalement game 3, record à arrêter et tout. Bon, c'est pas très grave. Gen.G vont passer Blue Side par contre. Ils visaient Blue Side lors de la game 1 avec un first pick Aurora qui cette fois-ci ne sera pas disponible puisque les Katie apprennent de leurs erreurs. On ne bannira pas Corki pour les Gen.G étant donné qu'on est côté Blue Side et je pense que c'est un ban Corki ici pour les Katie. Il y a tellement de choses à ban pour Chauvier, mais je pense que c'est Corki qui va reçu. Ça va ban le cas santé plutôt. Kin est très bon également dessus, c'est first pick Corki. Hein. Ouais, une évidence. Très 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 simplement et très logiquement, first pick Corki pour Chauvier, qui va devoir montrer à Bididi comment on fait sur le petit aviateur. Le truc c'est que Bididi il a déjà montré comment on fait avec Corki. Reste à voir quel va être le counter qu'il va choisir. On a un Azir qui est disponible, on va se jeter sur la hache qui... était ban pour l'instant. Elle était ban dans les deux premières games. Cette Mon cœur a failli s'arrêter sur ce R1 Jinx. Hein. J'allais tout casser. Et H est un pick bien plus avisé. Probablement dans les mains de Dev. Je pense que Beryl partira sur autre chose. On voit plus beaucoup H support dernièrement. Et j'aime beaucoup ce pick. Là, ça Renekton et ban, mais on pourrait avoir Sejuani et. Et support. Peut-être Kariade. Hein. En vrai, tu peux aller chercher Zeri maintenant hein, pour Paze. Alors, je sais que t'aimes pas. Je sais que t'aimes pas. Jin. Bah le counter passe bien face à H, c'est Jin, c'est Barbus. C'est les... très très bien la lane. Après t'as pas encore suffisamment d'informations, il te faut des dégâts sur le top side. Et j'aime bien cette ouverture pleine d'ambition. Double AP tout de même, ça donne des belles mercures entre Canyon et Kennen, entre Sejuani et Kennen. Quand on y pense, il y a 4 ban top lane en fait. 4 ban top lane. Oh, perfect qui va. Ok, j'allais dire qui va rentrer dans un match-up. Avec Jayce contre Kin, j'aurais été inquiet. Matchup top, on dort un peu. Hein. Knarr dans Kennen. A voir si Perfect trouve son impact en teamfight. Ça va être l'objectif des deux top laners. Knarr devrait jouer Fleet, Kennen devrait jouer Aeri. Donc ça va se regarder, ça va se poke tranquillement. Ça va pas faire grand chose au top side. Et ça va être dans les fights. Kennen va chercher un flank. Knarr va chercher un flank également si le méga est dispo surtout. Plus 5 d'activer un Kennen qu'un Knarr, je pense. Parce que Gnar joue selon ses timings de méga, tandis que Kennen n'a besoin que de son ultimate. Maintenant, ça appelle une Exo, ça appelle peut-être un pick d'Alistar également. Effectivement, ça pourrait être le tout dernier pick de Beryl, on sait qu'il peut le jouer. Maintenant, Beryl est également connu pour avoir sorti le Heimerdinger. Je sais pas si on a encore des moyens d'avoir une botlane aussi dominante que ça, ou si ce que les KT ont besoin, ont envie. Dans la game précédente, la game qui est gagnée, c'est tout même avec beaucoup d'engage et au final des responsabilités de carry pour BDD. Son pick n'a pas encore été sélectionné, donc ce serait pas si étonnant que ça d'avoir un Alistar ou un support à engage validé en 4 pour les KT Rollster. Très bon ban Ezreal, je pense. C'est l'un des persos qui peut aussi à peu près tenir H en lane. Et encore que. Et tenir à peu près le push, la range et tout, quoi. Je pense que c'est un ban très avisé. Senna l'est tout autant, parce que paye 100% de Midrite en LCK avec la Senna. Et là, dans leur compo Gen.G, là, tu leur donnes Senna Horn, c'est exodien. Ouais, il serait effectivement très très bien. Surtout que Senna a également la possibilité d'avoir les bots de célérité qui permet d'être plus efficace face à la H.
Oh, le Smolder Mid. On peut jouer le late game. Oh là 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 là, il a été up récemment, on l'a vu. Par-ci par-là, le Smolder, le retour de du petit dragon. J'y crois pas, ce Zik, ça ferait tellement d'AP, non? Ah, j'y crois pas non plus. Hein. J'ai trop d'AP, ouais. Lucian, c'est plus cohérent déjà. Lucian Nami pour vraiment dominer cette botlane, intéressant. Après, à voir qu'est-ce qu'on peut avoir en support. Est-ce qu'on accompagne cette hache d'une Renata, possiblement? Lulu, c'est pas mal également. Ah, ça va carrément être Lulu pour répondre face à Nami. Waouh, mais on a... est-ce qu'on a besoin d'un peu de front lane, un peu d'engage? On n'a pas le Nautilus. Nautilus aurait été si bien. T'as pas envie de jouer Alistar parce que tu vas te faire bosser. En fait, t'as pas vraiment le choix que de prendre un. Renata est fine aussi, non? Il y a quand même beaucoup de range en face pour que Renata ait toute sa valeur. T'as pas tant de champions qui te foncent dessus tout droit. Une Kalista. Mes excuses, Meryl. Pardon. Kalista hache la botlane des KT Rollster. T1 is what is empty. T1 est partout. Je suis biaisé, je suis une merde, mais c'est pas grave. Et ce sera la hache support et la Kalista carry AD de Deft. Oh la folie, le dernier pick. C'est comme ça qu'on a de la front lane tout en ayant la... tout en ayant un moyen de jouer la lane. Ah, et là, le Lucian Nami perd un peu sa super parce que bot side, je sais pas s'ils vont gagner. Hein. Que Lucian Nami est censé à peu près tout dominer, mais là contre Kalista H, peut-être double déluge de lame. Ça pourrait être compliqué. Ok, ok. On est revenu un peu en arrière et on cuisine du côté de KT Rollster après. C'est une belle game. On l'a dit, on l'a vu récemment, hein, ils avaient cuisiné un chaîne support. Ça avait pas fonctionné. Maintenant, yes, reste à voir si ce Kalista H réussit à amener une nouvelle victoire pour les KT Rollster. À prendre le premier BO3 de Genji, les empêcher de faire le 18-0. Ils peuvent le faire, ils ont une draft qui se comprend. Beaucoup de range. Maintenant, on est normalement sur une exhaust pour la H. Et est-ce qu'on sera en range pour pouvoir la poser sur un Kennen? Et moi, il y a 3 carrés AD et en face, il y en a 2. Faites ce que vous voulez de cette info. Mais d'un côté, il y a Kalista, Ashe et Smolder, si on peut considérer ça comme un carré AD. De l'autre côté, on a Ekorki et Monsieur Lucian. Cette game sent bon. On va avoir du spectacle, quoi qu'il arrive. Fighting time. Waouh, les KT Fighting qui retentissent encore plus fort qu'à la game précédente. Smolder mid, H support, Kalista à décarré. Et c'est un all-in avec les croquettes de noix sur KT, bonne chance. La cote elle a combien? 22 pour KT, 78 pour Genji, okay. Quelque chose comme ça. Ouais, bien évidemment, hein, Genji rentre de nouveau favori. Et c'est pas double déluge de lame, ce sera PTA pour la Kalista, déluge de lame tout de même pour H. On a un flit au niveau de la mid lane, flit top. Ça, on pouvait s'y attendre. Electrocute pour Kin et non pas Aerie. Qui est un peu plus à l'accoutumée pour un Kennen. Oh, vient de voir tout de même l'invade que vient de faire les KT. Ouais, c'est les wards de swap lane. C'est le ward pour vérifier que t'as bien les bons match-up au bon endroit. Mais on va avoir. Mais Kennen, il va se faire déchirer contre Kalista H là, non? Oh, le passing dans le buisson. Oh, il est vu quand même. Ouais, il est quand même vu. La ward est bien placée, on s'est pas fait avoir. Il a réussi à passer sous la tour. L'objectif, c'est juste de récupérer un peu d'XP. Mais c'est juste qu'ils ont pas envie d'avoir le Lucian Nami face au Kalista H. Hein. Canyon a été scout. Est-ce que Gnar peut venir lui chercher des noix? Je ne suis pas certain. On veut plutôt aller lane mid pour perfect. Début de game très atypique. Hein. C'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. Le Q-spell. Ah, on n'a pas la range. Mais on a réussi à avoir l'XP. On a réussi à avoir l'XP des deux premiers creeps. Kin qui est heureux. Kin qui fait des saltos. Le fait qu'il allait chercher une ward au loup adverse. On va venir lane mid. On a start E pour ce Gnar. Ouais. On n'aura pas de boomerang pour récupérer des CS de relativement loin. Dans tous les cas. Camps, top side ont été récupérés par Canyon. Tous les camps bot side sont récupérés pour le moment du côté de Kyosik. On est. Des deux côtés inversés de la carte, on a une volée de flèches, on a une Kalista. Ok, on vient prendre de l'XP une nouvelle fois. Ok. Passage niveau 2 ? Il est mort. Non, pas de passage niveau 2. Donc le premier sang est récupéré. C'est récupéré par Piostick. Bien exécuté, je suis obligé de dire. Canyon va continuer la jungle
Il est dans le camp de Piosik cette fois-ci. Ouais, mais du coup, ça démarre bien pour les KT. Il a commencé du côté de Piosik, là il est de son côté. Maintenant, il y a Edward au niveau de ses loups. Il va être spot, Canyon. On n'a pas l'information. Kenen réouvre topside. Ça a envie d'aller chercher de l'XP hein, quand la wave sera abandonnée par la botlane. Il va retourner à sa place. Premier kill, première plate qui va tomber en faveur des KT. Pendant qu'on perd tellement de wave pour Perfect, mais il va avoir le droit à encore un peu plus. Oh, faire dive, hein. Il a dash. Faire dive. Il a dash. Il a dash. Il a plus de cooldown. Il est mort. Il a un flash, un rêve, un espoir. Mais rien de tout ça ne passera. Le heal est tout de même claqué par les Ents parce que le coup de tour est illégal. Létal. TP de up. Je sais pas si. Il TP pas ? Non, il peut pas TP. Il sait pas si la botlane est encore sous la tour. Il est dans le bush juste à côté, donc. Si Paze et les Ents sont encore là, il y a moyen qu'il remeure, c'est vrai. Mais il perd tellement là. Le point TP à revenir à pied. C'est le. Niveau 1, je crois, perfect. Hein. Ouais, ouais, mais c'est le tarif des top laners dans ce genre de situation. Le ravage des swap lanes. Le pigeon de hache. Oh, c'est pour ça qu'il se ravance, parce que le pigeon de H donne l'information que la botlane GNG a pack, ah ouais, mais il s'était repositionné à côté. Non, 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 c'est... Ok. Ah, le niveau est haut, hein. Ah, le niveau, niveau est extrêmement... très, 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 très haut. En vrai, c'est une folie. C'est vraiment une folie qu'on soit à ce niveau-là. Le fait de se dire, il y a H support dans la game de l'autre côté de la carte, on va rester en attendant, sait-on jamais. Perfect pour revenir l'esprit léger, et au final, il n'en est rien. Premier smolder mid sur ce split. Logiquement. Encore, ils ont dit LCK début, mais je sais pas si au spring il a pas été joué au mid du tout. Ça m'étonnerait un petit peu vu comment il était overtuned au spring. Non, mais du coup, ils ont dit. LCK début. C'est... Ouais, c'est le premier. Mais ouais, pour ceux qui l'avaient pas vu, on a eu un petit buff de smolder sur les dégâts de son Q. Mais le champion n'est pas aussi broken que qu'il était à sa sortie. Réel. Très réel, mais. C'est toujours aussi chiant en late. Le gros changement tout de même sur Smolder, c'est que maintenant il n'y a que lui qui peut déclencher l'exécution en dessous du seuil d'HP. Ouais. Il doit reculer, il a un flash de up, il va devoir être consommé, hein. Il n'y a pas le choix ici. Ouais, en gros, avant, quand Smolder avait ses stacks, dès qu'il te mettait des dégâts, enfin, s'il te touchait une fois, quelqu'un d'autre pouvait te tuer comme avec le dragon ancestral. Et maintenant, il n'y a que si Smolder te met le dernier coup et te passe en dessous du seuil d'HP que tu meurs. Ça, c'est un très 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 gros changement sur le champion. Et c'est un seuil fixe maintenant. À 6%, mais en vrai 6% d'HP, ça va. C'est pas grand chose. Avant ça pouvait dépasser le dragon ancestral s'il était catastrophique également. Ouais. Zéro va bien, vous en faites pas. Ouais ouais, désolé de vous avoir explosé les oreilles. Désolé. Mais ça va bien, juste eu besoin de tousser. On est en vie. Comme que je sois là pour la première défaite de Genji to Speed quand même. Kanyons a démarré ses Void Grubs. Oh, le side step de Big Didi était. Petit perso de side quand même. Surtout que Paze va donner beaucoup d'attention au niveau de la mid lane avec un RFC et tout. On connaît à Lucien, non, ça joue très haut, ça joue agressif. Et ça laisse donc possiblement de l'espace sur les côtés. On va répondre à ses Void Grubs avec un dragon. Pour voilà. Piosik, nouveau trade remporté à la mid lane pour BDD. Attention, parce que c'est pas le timing sur lequel Smolder est censé être le plus effrayant. Il se débrouille plutôt bien pour le moment. Et il trade beaucoup, donc ses stacks augmentent rapidement. Yes. On a combien? Ok, non, là on a la POV Chlody. En tout cas, on a déjà la première évolution du Q, normal, même à ce moment-là de la partie. Mais il doit être sur un bon rythme hein, vu le montant de trade qu'il y a au mid, on joue au fleet des deux côtés donc on régène en boucle. 3 Void Grubs pour les Gen.G, premier dragon Chemtech pour les KT. Ça laisse de belles âmes à venir puisque là c'est Dragon des Montagnes le prochain. Ça nous laisse âme infernale, âme Extech, âme des nuages qui est un peu moins excitante. Après, ça donne les ronces plus souvent, la flèche plus souvent mais c'est déjà deux ultis à court CD. Mais là, âme océan, âme infernale, ça pourrait être sympa, âme extech également. Moi j'appelle juste âme des nuages Kennen. C'est l'un des trucs les plus terrifiants que tu peux voir sur la faille. C'est très très vrai.
T'es là, t'as déjà un boost de move speed de base, quand il erre et un autre boost de move speed, tu ne peux pas t'en échapper. Ou même que Link plus souvent, ulti de Sejuani plus souvent, ça peut être bien bien chiant. Et en vrai, ça sort bien hein, tout de même pour la botlane Paisley. Le petit passage que Canyon a fait juste avant, ça a peut-être mis encore mieux. Mais en termes de farm, on est à égalité. Ah, on tient. Hein. Et face à une lane H Kalista, c'est une bonne chose. Il y a des spots. Ah, mais il y a un ulti sur Zeph. Tu peux pas faire grand chose dans ces cas-là. Bah, il y a un ulti sur Zeph. Rappel du destin. Il va les repositionner. Ulti pour ulti. Ulti c'est Johnny pour ulti. Kalista. Ouais, vu comment ils ont joué le dive, ils le savaient de toute façon que. On allait juste utiliser cet outil pour Deft. Heureusement que Kalista était niveau 6 tout de même. C'est quand même un très lourd cooldown, hein. C'est environ 3 minutes l'ulti Kalista, l'un des ultis les plus longs du jeu au niveau 1, avec l'ulti Shen. Donc forcément ça fait en sorte que la botlane JJ ne peut pas jouer aussi agressif que ce qu'ils auraient voulu. Attention parce que Beryl a récupéré sa flèche de cristal tandis que Nami n'a pas encore la vague. La wave push vers eux, Maokai va reopen bot. Si Nami récupère pas son 6 rapidement, on pourrait avoir un mouvement de la part des KT, une belle défense. L'outil qui va être déclenché pour Kien, on a encore son flash, mais on a pris beaucoup de dégâts tout de même. Canyon se rend à peu près disponible sur le top side. On va désamorcer, on a des camps à faire. Ok, le niveau 6 a été récupéré par les Hands. Le flash tout droit. Le flash tout droit, l'erreur de débutant qui vient d'être fait. Il y a les ronces. Oh là 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 là. Le flash tout droit. Ne reproduisez pas ça chez vous. Pas contre H. Certainement pas contre H. Kalista qui peut manger quelques ressources. Deux ultis ont été consommés quand même. Et Maokai et H. Maintenant, il n'y a pas d'objectif neutre à venir. Il y a tout de même des Void Grubs. On ne pourra pas les défendre avec ces fameux ultis. Canyon reset. Il a qu'un combat. Donc je pense qu'il peut reopen topside, clear la vision. Et essayer de préparer ses Void Grubs. On a un premier item en plus de ça pour Canyon. Qui est convergence de Zeke. Ouais, bon, bel angle de la part de Beryl. Il aurait du flash vers le haut pour les Hands. Ou alors, juste prendre la flèche et flash après. Parce que là, il a juste réduit la durée du stun. Ça fait tout de même premier item à la botlane. Il est pour Paze. Le static a été validé. Yes. On a eu un passage sur des bots de Deft qui fait que ça ralentit un peu. Le static coûte pas très cher non plus. Beryl se rend disponible topside, on l'a dit, hein. Les Void Grubs, il y en a déjà 3 qui ont été perdus. 6 Void Grubs never lose, on va devoir les jouer. BDD contre Chovy, ça trade. Chovy répond très bien, la bombe au phosphore qui vient prendre ce trade positif. Heureusement que la roquette qui suit ne touche pas. Sinon on était en mauvaise posture pour BDD, qui n'a pas de TP, de up, on a un fleet. Oh. Il va connecter, est-ce qu'on peut follow up? Il y a une volée de flèches, on peut dash in, il y a un flash in également du côté de BDD au cas où, dernier coup de tour, c'est un trade kill qui est trouvé du côté de Chovy. Là on a un peu plus de gold avec l'assist du côté des KT, mais c'est quand même un kill pour un smolder au début de partie, on va jamais s'en plaindre. On dit dans le chat, les fans T1, vous êtes plutôt GNG ou KT? Dilemme trop dur pour eux. Alors, non. Je ne représente pas les fans T1. Il y a pas en de tant dilemme. Que fan T1, il n'y a aucun dilemme. Let's go KT, frère, mon rêve. My dream, frère. J'en pleure qu'ils gagnent. Oh là là. Alors vraiment... All day. Si les fans T1 peuvent faire en sorte que les GenG n'aient pas des records encore et encore... Surtout KT, ouais, comme on l'a dit. Tu vois, c'est petit frère. Tes petits frères tranquilles, t'aimes bien toujours te battre avec lui, mais à la fin tu le supportes un peu quand même, tu vois. 400 gold en plus pour BD. Ouais, c'est très très bien ça. On avait quelques creeps de retard en plus pour BD, donc ce kill va mettre bien. Ok, la bombe au phosphore qui connecte pas. Une des sources principales de dégâts d'ailleurs, c'est le sort que Max Chovy, vous pouvez le voir en bas à gauche là. On va retrouver les deux équipes, les deux junglers, aux alentours de ce dragon. Premier dragon récupéré par les KT, BDD qui est forcé d'utiliser son flash parce qu'il y avait le boost de dégâts de la Nami qui venait rendre ce trade positif pour le mid laner Genji. Deuxième dragon, c'est un dragon des montagnes. Kyosuke qui est positionné, il a les ronces. La position Pikmin dans le buisson. Compliqué à défendre. On a la prise au niveau du mid. Paze va
pouvoir push cette wave et se rendre dans la rivière également. Et Paze a un statique. Maintenant, Bididi a Rizé, il revient avec une trinité. Ouais, on a la TP pour Bididi, ce qui fait que on a trouvé un petit timing avantageux pour les KT. On a full back même pour Genji. Et quoi, le dragon, on peut être pris pour les KT. Ils ont suffisamment d'informations pour pouvoir le démarrer. Et ça va être validé. Deuxième dragon pour les KT. En plus d'avoir 3 grubs qui ont été récupérés. Une bonne nouvelle, ça. C'est une très très bonne nouvelle pour KT. Et quel soul va-t-on avoir? C'est aussi la question qu'on se pose. On veut tenter un lane gank peut-être pour Canyon, qui n'est pour le moment pas spot. Ok, un océan c'est qui arrive. C'est ça, Canyon. Hein. Il est dans ce troisième buisson. Ça... Ah, ça aurait pu pushback pour Genji, mais on a un statique qu'on va push pour Paze. Tenter un dive ici, il y a un flash, il y a une cleanse, il va pas mourir. Oh hein. La cleanse de fou qui va être utilisée. La flèche de cristal est bonne, on a un Iron Soul arrive et le flash in de Paze. On a réussi à prendre le kill, on essaie de sortir le plus rapidement possible. La téléportation perfecte qui arrive et il va essayer de rendre ce trade positif pour les KT Rollster. Ah, c'est pour Beryl qui va récupérer quelques goals. Perfect récupère un kill également sur les Ends. Belle inspiration de la part de Canyon, mais les KT bougent en équipe, les KT. Répondre présent au duel à l'épaule. Par contre, la première tour du match peut être récupérée par Kin s'il reste un peu plus longtemps sur cette tour. Il avait déjà bossé pas mal les plaques depuis avant. Je pense que c'est sa tour. Hein. On va courir top pour Deft et Beryl. Mais je ne pense pas qu'on puisse empêcher Kennen de la récupérer. Oh, oh là là, le petit cantel. Bien joué, Chovy. Et la première tour du match est récupérée par Kin. Donc ça fait 2 kills à 1 en la faveur de KT. Mais la première tour du match fait que économiquement on s'en sorte bien pour les Genji. Et si on en parlait en Champ Select, on l'a pas forcément relevé. Ou peut-être que tu l'as fait, mais que j'ai pas. L'exhaust, je pense, ouais, l'exhaust. Ça n'est pas parlé. Et le truc, c'est que, comme tu l'as dit, Ash a pas la range en fait pour l'utiliser sur un Kennen. Si Kennen arrive à range d'exhaust de Ash, c'est déjà lose presque. Clairement. Donc y a pas d'exhaust à Kennen qui est activé, attention. Attention à ça, il n'y a pas beaucoup de cancel également, il y a le pushback de Piusik, on vient de le voir à l'instant avec un Maokai, mais c'est à peu près tout. Hein. Ça va être difficile d'empêcher ce Kennen de rentrer dans les fights. Ah, il est sur la protobelle, forcément il y a tellement de range en face. Ouais. Maintenant, on nous a pas encore remontré les stacks de Smolder. J'aimerais bien savoir dans quel état il est le petit dragon là. On va se concentrer en bas à gauche de l'écran et on va pas tarder à le voir, il sort de la base là, donc on devrait pas le voir tout de suite. Mais d'ici quelques instants quand même. 15 minutes de jeu. Ah bah tiens. Attends, 135, combien? 135, mais c'est énorme à 15 minutes. Non. En vrai, 135 ça va. À 15 minutes ça va. À 15 minutes ça va. Mais à la première lecture, j'étais là à 195. J'allais vriller. Mais en vrai, 135, on est juste sur un rythme tout à fait normal, même mais légèrement lent. Sur le mid-game, ça monte un peu plus vite après, il me semble. Là, il aura pas les 225 aux alentours de la 20-21ème qui est attendue. Donc il est tout de même sur un rythme légèrement plus lent que d'habitude. Okay, d'accord. Mais il est pas sorti de la game. Bon par contre, ce all-in sur le héros de la faille, il va coûter une T2 pour Chovy. Et Genji sont bien contents de récupérer 700 gold de cette manière sur leur mid laner. Ouais, laisser Chovy full ressource comme ça, c'est rarement une bonne idée. Y a pas de TP, hein. Parce qu'on est très rarement bien ces histoires. Les dernières TP, on savait qu'elles ont été utilisées. Plus 700, sans parler des waves. Chovy vient de se mettre royal. Héro de la faille tout de même récupéré par les KT. On va déclencher les ronds. Est-ce qu'on peut vraiment prendre cette tour pour les Genji? Non. On est obligé de se raviser, clairement. Chovy, en plus de la T2, en plus des waves qu'il a récupéré, se dirige vers un blue buff. La Valkyrie qui va lui permettre d'éviter cette flèche de cristal. Mais les Genji viennent de revenir. Ils sont devant dans la game, 3000 gold devant, à coup d'objectif, à coup de First Blood Tower au top, à coup de T2 au bot, à coup de macro tout simplement. Ah, ils sont dans un meilleur état qu'au cours de la game 2, il n'y a pas à dire, pas de secret. La face, ça pue la merde en plus, je comprends pas ce choix là pour le coup. Un objectif trop naze. En vrai, ça donne plein de gold au jungler et aux personnes qui l'aident. Ouais, c'est quand même un bon petit pactole de gueule. Maintenant, c'est sûr que c'est plus le héros de la fight de l'année dernière qui te permettait de récupérer des plaques, des tours et tout. Avant, il y en avait deux par game, là, il y en a qu'un maintenant. Mais en vrai, là. Tu perds tes deux bots, t'as pas de TP pour défendre. J'aime pas du tout le choix des KT qui vient de passer là. C'est à l'avantage de Genji. Y a pas à dire. Et maintenant,
On a en plus réussi à se repositionner sur le bon timing pour pouvoir jouer le dragon. Execute de Smolder, c'est 225 ou 250? 225. Ok. C'est tout simplement 25, 125, 225. C'est... Ils sont pas fait chier. Moyen mémo technique. Ouais. King Reset, il a pas son TP, il va reopen bot side du coup, je pense. En tout cas, Rivière Bot, attention, 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 il y a un ulti sur ses Sejuani, mais on va rester calme pour Canyon, Ice Cold. On sait que cet ulti Sejuani est très important. Perfect, lui, a son TP, c'est pour ça qu'il se permet de push topside avant de se rendre dans la rivière. Dragon des Océans, c'est le troisième dragon de cette partie, il va être très important. Il va déjà être récupéré hein, par les Genji. Lucian qui a son RFC, qui va pouvoir commencer à mettre du rythme au niveau de la mid lane, pouvoir commencer à jouer les waves très très haut. Là c'est clairement injouable pour les KT Rollster. La first strike en plus, donc c'est un Lucian qui va scale un peu mieux que deux raisons, avec une Nami pour l'accompagner toujours. Et hop, ça c'est pris. Tentative de forcing de la part de Piusli qu'on a tout mis sur un Kin qui va tomber extrêmement rapidement. La prison de glace qui est utilisée, le Kelling également, on essaie de répondre pour les Genji. Mais le kidnapping a déjà été fait. Le kidnapping. Je l'ai. Ah, c'est un bon petit kill récupéré rapidement qui va en plus forcer la téléportation de Chlovier au niveau de. Si il récupère de la thermite, c'est huge. Encore le cas, on va utiliser le pigeon, faire reculer la botlane des Genji. Canyon va être dans le coin, mais on n'a pas de prison de glace. Chovy arrive également. On n'a pas encore de deuxième item. Pour le moment, c'est fine. Pas de la faille qui va permettre de prendre la terre mid. C'est quand même un héros de la faille qui a eu de la valeur. Que rester plus longtemps aurait pu être un peu compliqué. Mais en tout cas, super bien joué de la part de Piocic. Qui n'a pas pu réagir, on avait son flash mais inutilisable de cette manière. Body language de Piusik qui était tellement difficile à lire. C'est très très propre ce que Piusik vient de proposer. Piusik proactif qui permet à son équipe de récupérer des ressources. Il avait déjà fait une très bonne game 2 Maokai, il enchaîne là. Il n'est pas largué par rapport à Canyon, il a deux objets avec une Warmog, avec un Iron Solari. La Warmog de Canyon approche également, par contre Manamune des dispo pour Chovy. Pour 175 stacks actuellement pour BDD. Ouais. 3-4 minutes ça devrait arriver. Et là du coup vous voyez également l'exécute sur le clou pas encore activé, mais c'est les stacks donnent également des dégâts bonus sur tous ces sorts. Et après toutes les stacks bonus au-dessus de 225 permettront d'obtenir des petits boules de feu supplémentaires. Tombe sur ce passage, on s'y prend à 4, prison de glace, c'est sur Piusik et son Maokai. Il n'a plus flash, Maokai, perfect. Qui vient stacker son méga Knarr, c'est pas encore dispo, il y a un ultimate de Smolder qui ne touchera personne. C'est dommage parce que ça donne des stacks également, et on en a besoin des stacks ici du côté BDD. Attention, il y a Kin qui a TP pour pouvoir jouer... On a un flash de up pour Kin qui va être spot ici, heureusement. Ah, on sait où il est. 5, hein. 5 contre 5 au niveau de la mid lane, c'est terminé, des menacés. Est-ce qu'on peut vraiment la défendre? Kin qui va déclencher avec son Kennel, perfect qui est un méga, mais ne peut pas défendre du tout. Piosnik va tout de même égaliser sur Kin, 1 pour 1. BDD est tombé avec la perte de son flash au passage. La terminé saute, c'était l'objectif des Genji. J'ai vu des rugbymen tenter des percées moins violentes, mais on voulait absolument avoir cette T1 mid, elle était hyper importante pour égaliser vu que KT avait récupéré celle de Genji un tout petit peu plus tôt. À qui il était prêt à donner sa vie pour ça? Le fait qu'il se pointe à 5 au mid veut tout dire de toute façon. C'est pas souvent qu'on voit Genji regrouper comme ça. Il y avait vraiment... Pour que Chlovy ne soit pas en train de prendre une wave en side, messieurs dames, c'est que... Ah on en loupe pas une. Petite balle sur le tech. Mais ouais, c'est obtenu. C'est donc un bon move pour les Genji. Récupère un petit gain supplémentaire qui pourrait leur permettre d'avoir une vision encore meilleure pour permettre au Kennen d'avoir des bons flanks un peu plus tard dans la partie. L'âme d'infini va pas tarder à arriver hein, pour Paze. Hein. Et ça va être un timing qui va être quelque peu effrayant. Oh, la Bertha sur Beryl là. Quelques niveaux d'écart entre le midlaner des Genji et le support des KT Rollster. Dragon des Océans dans une minute. Baron Nashor qui est déjà up.
Midi n'a pas de flash, donc il va avancer très prudemment. 207 stacks. On s'approche de la fameuse execute. Shogi va aller lui répondre sur le topside. Et Bidi va reset. Hein. Il avait amorcé un back en tout cas. Il a peur. Il a clairement peur et a raison. Il n'a pas de flash. Il sait que ça peut aller très vite. Contre une Sejuani qui va reopen botside parce que Dragon. Mais Bidi n'a pas forcément l'information. Shogi va pousser cette wave top. Les deux ont leur téléportation. Donc. Oh, ils ont l'information sur le positionnement perfect. Il est loin d'avoir son méga. Ouais, très loin d'avoir son méga. Il va se faire avoir immédiatement. Le full dégâts de la part de Keen. On a le Shuriken qui ne va pas toucher, mais on a les Bola. Oh, ça a été évité in extremis, mais on était bien au courant de ce qui se passait pour Chauvier. La téléportation, la roquette est perfect hors de position. La fameuse zone de slow. Deuxième dragon, là, logiquement, pour les Genji. Et c'est ton moment, il faut avancer. Il n'y a aucune TP ni pour Chauvin ni pour Keen. Allez pousser cette wave sous la T2. On voudrait répondre Baron Nashor pour les KZ. On va essayer de le menacer. Mais on a le Carab qui a été récupéré. Ouais. En vrai, on est bien positionné tout de même pour. Enfin, Baze et Lens n'ont absolument pas joué le dragon. Et là, le truc, c'est que Chauvin vient de récupérer RFC aussi. T'as RFC Lucian, RFC Chauvin, 3 items chacun. Shojin pour BDD, mais on a un item de retard. Ouais. Il est à 225 maintenant normalement BDD. Ouais, il a dû les récupérer sur le topside ou alors il le récupérera au début du prochain fight. Mais ouais. Pas le droit d'être la perfecte. Hein. Ça connaît son League of Legends pour Keen. Hein. Vous savez ce qui devait se passer. Le minimum c'est trinket bleu dans le bush avant de passer quoi. Le minimum c'est d'être avec son équipe. La wavebot, qu'elle soit push ou pas, ne change pas grand chose ici. On est sur un timing de setup dragon. On peut pas avancer les side lanes comme ça. Yes, yes. Voilà. Les voici. 225. On a pourcentage max HP execute. C'est 6%, c'est fixe. Et à partir de maintenant, toutes les stacks bonus permettent juste d'avoir des dégâts en plus sur la brûlure. Tellement l'item complet des cartes au mid. Oh item complet, donc contre deux items et aucun composant. Je sais pas si on a un gros bac dans la poche pour BDD, mais... Il vient d'acheter sa Shoji. Ouais, il vient d'acheter. Ce qui me semble. Hein. Donc un item entier d'avance pour Shoji. Tanyan doit face check. C'est une Sejuani, elle est tanky, elle a une Warmog. Elle va de toute façon pouvoir sustain. BDD a évité le Shuriken. BDD n'est pas vu. Avec son Smolder, est-ce qu'on peut déclencher le souffle du dragon peut-être? C'est un bon fight, possiblement pour les KT. Shoji n'est pas forcément positionné pour DPS. On va dashing pour... ça va pas mener à grand chose. Les KT peuvent-ils répondre à cette offensive des Genji dans la rivière? On a du sustain avec la Nami, on va l'utiliser au maximum. Dragon de différent aussi, hein. Ça aide. Les roquettes qui continuent de toucher, on est presque pour Chauvi. Il n'y a plus aucun ulti, si ce n'est celui de Perfect, tandis que Keen a encore le sien. Maintenant, il n'y a pas de position de Fang, donc c'est compliqué pour Keen de rentrer dans un fight. Perfect va passer en méga, il va devoir jump out. Ouais. Keen a utilisé sa protobelle pour pouvoir proc le méga ignore de Perfect. Hein, donc. Ça se joue dans les tranchées, hein. Ouais, mais personne ne tombe, personne ne passe l'arme à gauche. On a tout de même le flash de Devs qui est récupéré, le heal de Beryl en face. Aucun summoner spell. Ah si, le heal de Lens a été consommé. Bon, les deux supports qui ont claqué leur heal, mais c'est surtout Devs qui perd son flash. A pas beaucoup de dégâts chez ce Smolder pour le moment, il va avoir besoin d'un petit peu plus de temps, mais est-ce que les KT peuvent acheter du temps à ce Smolder? Il va avancer sur son RFC également. Oh. Keen. Il cherche un petit quelque chose. Là, un joyeux putréfiant, on s'approche d'un item à peiner. On va récupérer ce. Non, ce carapateur va un peu loin, on va lâcher l'affaire. Je me demande ce qu'il est en train de chercher. Personne ne va se présenter sur la wave mid. Est-ce qu'il regardait s'il y avait un AD carry l'erreur habituelle parce qu'on a la vision. Ouais. Mais si les ops nous le montrent, c'est pour une bonne raison. Oh mon dieu. Ouais, mais regarde, Deft, il se positionne bien. Il se positionne bien, on fait pas l'erreur de rookie habituelle. Oh. Ok. C'est peut-être un petit peu loin, les roses vont être déclenchées. C'est sur Canyon, la prison de glace est excellentissime. Rappel du destin pour repositionner Beryl. Beryl avec une volée de flèches. Ça ne va pas mener à grand chose, ça demande... et ultimate Piosik et ultimate de Kalista. Téléportation du Kennen pour se repositionner. Il y a la tour qui devrait le spot tout de même.
Il a un flash de Upkin. Heureusement qu'il y a ce pigeon, il n'est pas vu. Il est peut-être juste à travers ce mur. Il est présent, Kid. Il va pouvoir déclencher l'ultimate. Le Maelstrom est génial. Pour le moment, personne ne tombe. Beryl répondra très bien, accompagné de toute son équipe, de ce Kennen. On le sait que Kennen est la menace principale et on est au fait. On répond présent. C'est forcé, frère. C'est très forcé de la part de Kin. Téléportation et flash consommé ici. On n'a pas de stase, on va juste plonger comme on n'a jamais plongé pour Kin. Et du coup, ça va commencer à coûter parce que là, reprendre la position face aux ronces de Maokai qui vont pas tarder à revenir. Le Baron Nashor démarré par les Katie Rolfers, c'est bien fait. Il n'y a pas de ressources pour les Genji, il n'y a pas de prison de glace. Le Tsunami va tout juste revenir. C'est compliqué à défendre à 9000 HP, mais les RFC font du bien quand même pour Paze et Canyon qui arrive à poke tout doucement. Il faut un méga Gnar, Deft va l'avoir, on va récupérer ce Baron Nashor, tenter de s'extraire. Bah ouais. C'est un simple gain pour les KIT qui prennent une belle option, se diriger vers la victoire. Par contre, on sera pas là à temps pour le cinquième dragon de la partie, qui sera normalement pour les Genji, ça va faire 3 dragons océan d'affilée. Normalement, le temps de le burst est de repartir pour jouer les waves après. Non, on est vu, mais ce dragon appartient au Genji logiquement. Pioci fait pas ça. Non, okay. Sors le sang. J'ai eu tellement peur qu'il court tout droit vers le cône explosif. Into flash dash. Ouais, c'est ce que je voyais venir aussi. Dose. Ils ont un Baron Nashor, ils pourront jouer tranquillement. Et on va revoir le kamikaze. C'est un kamikaze complet. Il joue très bien autour de la vision, mais il est clairement seul en fait. Là, il arrive à bien se faxer autour de la vision. Il attend le dashing de Paze qui va prendre un petit peu d'attention. Il rentre dedans et heureusement, c'est pas assez pour venir tuer Deft. Et il avait sa purge, un Iron Solari pour Piosik. Et ça fait la diff. Et là, le classique Maokai, logiquement, on envoie les ronces, on avance la wave. D'habitude, c'est derrière le mur qu'on envoie les ronces pour un Maokai. Maokai va être pris à partie d'ailleurs. Il y aura perfect, le tsunami avec beaucoup de dégâts. Perfect qui va dashiner avec son méga Gnar. Il y a déjà un mort, c'est une Nami. Casey, peut-être. Non. Peut-être. L'ulti de Kin est très bon. Mais on avance. Il y a un Baron Nashor. 3 joueurs des Genji sont tombés. Oh, et la tour. La tour qui va assassiner Perfect et empêcher les Casey d'avoir le push final. Kin qui prend un doublé. C'était vraiment peut-être fin de game ici. Par contre, un Rapid Dizzy qui commence à scale, qui commence à avoir son montant de dégâts. Et niveau 17, les stacks sont en bonne forme et on va revoir cette tentative. On a voulu défendre vite pour les Genji. Mais les dégâts que BDD a mis et le plaquage dans le mur de Perfect étaient bons. Attends, mais il y a des creeps, pourquoi ils ont un aggro en boucle? Non, il n'y a plus de creeps là. Il y en avait 3 et il a continué à taper, mais c'est... il devait avoir des dégâts résiduels. De toute façon, ce jeu est très bien causé, il n'y a pas de problème sur ça. Mais c'est dommage de prendre autant de dégâts des tours dans un siège avec Maokai et tout. Normalement, la T2 elle est gratuite, les adversaires ne peuvent pas faire grand chose. Encore plus comme comme on l'a vu, on a et Smolder et Gnar pour t'aider à ça. Didi niveau 17, tout comme Chovy. Ouais. Très au-dessus dans cette partie en termes d'expérience. 313 stacks. Une T2 sur ce Nashor, c'est clairement pas suffisant. C'est flopest même. On aurait vraiment dû prendre plus. Chovy a acheté sa lame d'infini. Chovy vient d'acheter sa lame d'infini. Il va piquer, il a un flash de up. Ça va pas être la même, le prochain fight. Le Corki va clairement être regardé avec une attention particulière. Sluty Smolder qui a touché les hands juste le côté. On a une flèche de cristal également. On essaye de forcer au maximum cette T2. On va réussir à la récupérer. Bizi qui arrive à repousser l'ensemble des Genji à lui tout seul. Smolder, c'est Brox. Un Rendure qui a fait son arrivée pour Piosik. Et un Sterak pour ce Gnar aussi. Ça va faire du bien. Un petit peu de moyen de survivre. Il y a un Mikael pour les Hens et heureusement, parce que Paze a vraiment besoin de ne pas être immobilisé, mais Chovy également en réalité. Chez Mikael est très important. Bon. Ça va se jouer autour du dragon. Hein. 1050. On a une âme des océans récupérée pour Genji qui changerait vraiment beaucoup au teamfight. Ce dragon va être super important.
parce que avec une âme des océans pour passer sous le seuil d'exécute de Smolder, ça va être beaucoup plus compliqué. On va vraiment all-in, hein. On va pas jouer en plusieurs temps, la régène va être trop conséquente. Niveau 18 pour Chevy. 1 minute 30 tout de même. Waouh! On arrive quand même à ce genre de fight. On va sur de la brûlure pour Smolder avec un Liandry. Mm-hmm. Pas ouf dans un truc océan quand même. Ah mais on fait de la paix forcément sur Smolder. Au bout d'un moment t'as autant de dégâts magiques que physiques. Je sais pas si. Je pense que Liandry c'est le build, mais dans cette game précisément avec 3 dragons des océans en face, je sais pas. Ah, c'est peut-être à lui de faire. Après, c'est à lui de porter les dégâts, je comprends. Et il part du principe que l'âme des océans ne sera pas récupérée par Genji. C'est une vision des choses. Je me suis dit en soi là, mais pas encore dispo. Ils peuvent aussi le jouer ce troisième dragon. Ok, téléportation de Chevy. Le dash in de Pace qui a mis des dégâts corrects. L'ulti Smolder loupé. Faut pas les gâcher. Perfect, il va être dans le coin. Il va avoir un méga. Il a pas son flash de up Perfect par contre. Les dégâts sont conséquents dans les deux équipes. Flash de cristal, c'est sur Canyon. Est-ce qu'on peut aller le récupérer? Très bon, Michael. De la part de Lehens pour libérer Canyon des CC. Perfect. Ne trouve pas d'angle, il va jump in. Ne trouve pas de CC, mais il y a les ronces derrière. Est-ce qu'on peut vraiment décrypter plus, Tony? Avec force. Encore kill, il fait peur. Ils vont l'avoir, ils ont eu un kill. Et chez eux, personne ne meurt, Piosnik. Oh là 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 là, 40 secondes chez Canyon, 14 secondes pour ce dragon. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir défendre l'âme pour les Jedi? Je ne pense pas. Kin est en train de reset, il a un TP, mais il n'y a pas de bell ward sur lesquels se diriger. La wave bot est... commence à devenir menaçante également, ce dragon. Et pour les KT, l'âme est retardée pour le moment. On peut peut-être commencer à y croire. Trois dragons de chaque côté, un baron nashor d'ici une vingtaine de secondes. Quel game entre les KT et les Genji. Oh la flèche de cristal. Paze a pas de purge. Step nice. Sans la MS de la Nami qui l'a boosté après ça. Oh là 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 là. Nashor qui va spawn, Canyon qui vient de revenir, y'a un smite pour Piosik. Ça aurait été si clutch de la part de Beryl, ça aurait été une folie absolue. Il a plus de flash Beryl, on va récupérer le carapateur pour les KT. Lui Didi qui va jouer proactif, qui va chercher un Q sur Chovy. Perfect qui arrive de nouveau avec une belle barre de grisette, hein. Il y a des timings grisettes, Beryl notamment qui veut aller peut-être aller refresh les wards, récupérer des pinks. Il a de l'anti-heal Beryl. Et cette petite marque du bourreau. Perfect, il push cette mid wave. Il va aller se positionner peut-être bot side avec son TP de up. Il y a Bigil qui vient d'utiliser le sien pour revenir au niveau de la mid lane, garder la pression. Garder la pression. Trois items pour le Kennen avec le voice staff. Prêt à faire des gros dégâts tout de même de son côté. Hein. Ah, on est encore niveau 15, je retire ce que j'ai dit. Il a pas encore les gros dégâts, il lui manque un peu d'XP. Zonia était peut-être important aussi là pour Kennen pour pouvoir trouver une engage et calmer le tout. On veut choisir les full dégâts. Avec ce bâton du vide, le Didi. Qui a beaucoup de dégâts, on le sait, oh, c'est cristal, c'est sur Kin. Merci le Mickaël encore une fois. Ok, on met des dégâts pour Didi. La wave. On ressort sur Baron Nashor normalement. Chovy est boosté, Canyon va être dans le coin aussi. Par contre, là, c'est tellement tendu. Ça reste à l'avantage des KT, quoique on va tenter d'engager Didi immédiatement. Didi fait tellement peur, il fait tellement mal. Attention les... Piosnik va aller très très loin. Ils vont le faire, ils ont tué Chovy. Paze et Lehens sont obligés de retourner à la base. On a dit le culling qui a été utilisé. 3 CS, un rêve. La wave. Les Genji ne peuvent pas pour le moment défendre cette wave. C'est inhibiteur into Nashor. Est-ce qu'on peut tenter d'aller au bout? Je pense qu'il faut pas tenter. Je pense qu'il faut se réfugier sur ce baron Nashor. Ne pas prendre de risques. Kin qui pourrait tenter son 1v1 face à Perfect. Il va y aller, il a un ultimate. Il faut sortir sur le baron Nashor. L'inhibiteur est encore en vie. Chovy n'aura pas de téléportation, quoique il l'aura peut-être quand pas, il reviendra. J'y crois pas, l'inhib tombe pas. Le Nashor qui est démarré, qui va être récupéré instantanément par les KT Rollster. Nouvel objectif neutre, nouvelle phase de jeu remportée par les KT. Et là, on a envie de déclencher pour Canyon parce que... Le truc c'est que le Mickaël... Oh là là, oh, les dégâts qu'il a. Didi fait tellement mal. Et c'est là où on voit tout de même le nerf de Smolder. Hein. Les deux passent vraiment à un seuil d'HP très très bas, mais l'exécute ne scale plus. Comment l'inhibiteur il tombe pas? En fait c'est des décisions d'équipe. Soit vous prenez l'inhibiteur ensemble, soit vous sortez ensemble. C'est dommage. Parce que là il manquait littéralement une auto-attaque de n'importe qui. Ouais. Et l'inhib il tombait. On a un GA sur Deft.
On a RFT et une ceinture de Mercure pour Bizzy qui est vraiment très affûtée là. On a double rendu 1. Donc ça fait perdre un petit peu de sa superbe. Hein. Lucian également qui est censé mettre beaucoup de rythme. Les fights. Les Katie sont bot, mais il n'y a pas de T2 bot. Il n'y a plus de T2 tout court en réalité. Qui en veut des goals pour Paze, il semblerait. Il est désormais niveau 16, on en parlait tout à l'heure. On a combien ? Son niveau 18. 1300 gold en poche pour Paze. On veut ce LDR, hein. Il va être important. Il va arriver à 1550, c'est ce qui est cherché. Hop là, voilà, c'est pris. On a l'argent. Dernier item. Dernier fight. On a encore les bots en 1 pour Paze, mais pas besoin. Pas besoin de bots pour Lucian. Il a été spot. Il a un flash de up. Meryl. Ah, celle-ci est loupée. C'est dommage. C'est dommage. Après, le CD n'est pas si long, mais il n'y a rien à faire sur cette wave, je pense, peut-être sur la suivante. Les dégâts qu'a pris Chauville, déjà obligé de reculer. Tentative d'engage une nouvelle fois. On va forcer la T3 qui est récupérée. Les KT qui avancent dans la base des Genji. C'est chaud pour les Genji. Le record est mis en péril. Perfect qui cherche à stack un méga Gnar. Il a un flash de up cette fois-ci, Perfect. Et avoir un flash de up avec un Gnar, c'est une menace conséquente. Il y a une ward dans le dos. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose qui n'a un Maelstrom? Il y a une ward sur la wave, il y a une ward dans la jungle également. Pour le moment, il n'y a pas d'angle qui est trouvé. Et il y a eu un reset. On a cancel pour Bididi. Bididi qui cherche un angle une nouvelle fois. Il va envoyer son W, ça connecte pas. Kyoshi qui voudrait démarrer, il va lancer les ronces. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Ça va être sur Canyon, first target, le premier qu'on attrape. Il faut tout lui mettre, la flèche de cristal qui ne connecte pas une nouvelle fois. Perfect va avoir son méga, oh, TP dans le dos. Il le voit pas. Il va les éteindre. C'est le moment. Non, ça frise un tout petit peu, ils ont réussi à se repositionner. King qui est déjà mort. On a Perfect qui a réussi à turn immédiatement. Flash de la part de Paze, flash de la part de Chauvi. On a la Shin pour Deft qui essaie de mettre un maximum de dégâts, qui est sous GA. Mais Bididi, ils vont le faire. La victoire est pour les KT Rollster. Le 18-0 de Genji n'aura pas lieu. KT Monster, always get excited by KT. Il y a une wave bot, il y a un bar en achat. 40 minutes de jeu. Merci Smolder, 4-0-12 sur Beryl, 2-0-13 sur Piosi, quel game de la part des KT. Ils abattent les géants, ils abattent les titans. Le record de Genji n'a plus de raison d'être. Ils le font, on le dit depuis des semaines, l'équipe la plus dangereuse pour faire tomber les Genji, ce sont eux, parce qu'aucune logique ne s'applique aux KT Rollster. Ils ont perdu contre les bros, ils ont perdu contre les Kwangdong Freaks, mais dans leurs 4 dernières games, ils battent Genji et ils battent HLE, ils battent le top 1 et le top 2. Ce sont les montagnes russes des KT Rollster. Quelle folie, quelle folie. L'histoire s'écrit là. Oh là là, Piosnik, on voit à quel point il est... À quel point il est content. Quelle belle journée. Zéro souci. Quelle belle journée pour un fan T1. Encore une fois, les fans T1 qui vont garder des records grâce à leur frère KT. Les fans T1 qui célèbrent une victoire de Piosik, Deft et Beryl. Dans quel univers sommes-nous? Quelle belle journée, zéro souci. Big Beryl, Big Bididi, Big KT tout court. Ah! Quelle équipe KT, je ne les comprends pas. C'est un mystère. Personne ne les comprend, mais il y a quand même une sorte de logique. Plus ils sont faibles contre les petits, plus ils sont forts contre les grands. C'est vraiment les gâcheurs de fête quand même. C'est complètement fou. Alors, c'est les gâcheurs de fête de Genji. Ils gâchent les fêtes de Genji, pas des autres. Merci les petits frères. Et vraiment, c'est... Oh là là. Ah. Let's fucking go. Et en vrai, dans le classement, genre en dehors du 18-0 deny, du fait que ce soit eux qui aient réussi à les faire tomber, au classement, ça les met tellement bien parce qu'on était dans le mou du 7e, tableau au milieu, tu vois. Ils étaient 6 ou 7e, ouais. Et là, demain, il y a un Fox contre Kwangdong Freaks. Qui va forcément leur profiter. C'est... En vrai, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Cette victoire pourrait permettre à KT d'aller en playoff. Je sais pas si Noah est dans le coin, mais tu es passé de la modique somme de 3000 croquettes à 11 000. Triplé tes gains.
Mais genre pendant un moment, il en avait des. Il y avait 800 000 et tout. Il y avait 800 000 il y a deux semaines, genre. Quelqu'un a dû all-in à sa place 800 000 en un coup. Dans des matchs face à Tetsu. Il a tellement galéré à avoir. Mais bon, c'est le compte. C'est le compte sur le PC OTP. C'est le compte du peuple. KT ont battu Genji. C'était sûr. Là, on a un moment. Beryl BDD, rap god. Hein. Def Sougea qui va full tout droit, frère. Je crois aussi que c'est un Colpenta, hein. Je sais pas si t'as entendu. Après, c'est du coréen, donc je sais pas. Mais il m'a semblé, je l'ai beaucoup vu écrit dans le chat, du coup, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même qu'on Colpenta dans ces conditions. Quel game, hein. Quel game de la part des KT. 45 000 pour BDG Chovy qui a très bien répondu en termes de dégâts. Mais... j'y crois pas. Ouais. Mais regarde la courbe de gold. Hein. Mec, bah ouais. Il était à 3000 et quelques gold d'avance pour les Genji. Mais... Smolder Effect. Gnar aussi qui a très très bien aidé dans cette partie. Juste par son existence en vrai. Juste le fait que Mega Gnar existe. En vrai, il a fait beaucoup de situations. Il a fait des bons derniers fights. Il a fait des bons derniers fights, mais voilà, c'est. Il y a tout de même un truc à dire, c'est. Akin, le kamikaze sous la T2, il coûte cher. Ouais. Il coûte cher, hein. C'est là où KT commence à reprendre la main, mais peut-être qu'il voyait justement que le scaling allait être injouable. En tout cas, les KT viennent de les battre avec Smolder Mid et Kalista Ashbot. Ouais. Ils ont cook, hein. Franchement, ils ont cook les KT. On a cuisiné et on gagne, tu vois. Fort solide. En perdant la première game, en plus. Perdant la première game, on a de la résilience, on gagne la game 2, on gagne la game 3, c'est vraiment un très beau BO, ils peuvent tirer d'eux les KT. Mais bon, le résultat de ce BO également. Autre chose à dire, parce que pour ceux qui arrivent maintenant et qui disent voilà, KT a gagné. Genji, en sécurisant le premier nexus de ce BO, a validé la première place de saison régulière. Ouais. Donc genre maintenant, ils peuvent perdre leurs deux derniers matchs sans aucun souci. Ils seront premiers quoi qu'il arrive. Ouais. Le truc qui était en jeu, c'était de faire 18-0, d'être invaincu lors du split. Et c'est terminé, ce n'est plus possible. 17-1, KT l'a fait. Genji l'ont même déjà eux-mêmes fait, me semble-t-il. Ouais, Genji l'ont fait et qui les avait dit. C'était KT qui les avait aussi arrêtés. Donc une fois n'est pas coutume. C'est une folie. C'est une folie encore une fois. Et du coup, seuls les T1 ont réussi à faire un split parfait avec 18 BO remportés pour 0 perdu. C'est ça. Avec beaucoup de 2-1, énormément de Nexus de perdu, mais... 11-2-1 et 7-2-0. Mais ouais, le Genji Summer 2022... C'était T1 qui les avait battus en Summer 2022. Tu sais que KT, c'est pas la première fois qu'ils gâchent leur fête. Non, bah, c'était au Spring, à ce Spring-là, Spring 2024, où ils avaient réussi à le faire. Et après, bon, on remonte beaucoup plus loin où c'était l'ère de domination d'Amon Kia et non pas des Genji et des T1. Mais voilà. Du coup, les Genji, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est de réussir à avoir le roster avec le moins de... Enfin, le split avec le moins de Nexus individuels perdus. Parce que quand ils avaient fait leur 17-1, ils avaient perdu 5 Nexus en tout. Ils avaient fait 35-5. Donc, ils ont encore... cette possibilité de battre leur propre record, mais le 18-0 n'est plus battable. Ouais. Genji qui perd un BO et pas un Nexus, donc pas invincible. Maintenant, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire de leur côté aussi, peut-être niveau draft surtout. La game 2 se joue sur cette fameuse contestation de Corbin où ils ne doivent pas l'avoir. Et il faut dire tout de même que KT, dans les deux games qu'ils viennent de faire, ça a tout de même réussi à... Genre, ça a super bien verrouillé. La game 2 était vraiment très bien jouée en termes de macro, en termes de prise de vision et tout. C'était super bien géré. Et après, tu as aussi la game 3 où, au final, ils connaissaient à peu près leur spike. Tu vois, le fait d'avoir joué autour du Smolder a été efficace. Ouais, même après, pour le coup, bah,
Kennen est beaucoup moins récent qu'une Aurora. Contre Aurora, on a vu de la mauvaise match-up knowledge. Là, à l'inverse, je sais pas si tu as vu dans les voice-com à la fin, on sait pas que Kennen est là, mais on se dit qu'il est là. Tu vois, ça reste vraiment groupé, ça joue ensemble. Et même sous la T2 top, Tin se fait one-shot, donc on se dit, ok, il a troll. Et il a troll. Mais belle réception quand même de se dire, ok, c'est Kennen, on reste ensemble. Dès qu'on le voit, on met tout sur lui et bonne chance. Tu vois. Ouais, et c'est pour vraiment ça belle réception, ça joue bien. Le Volstaff au lieu du Zhonya. Mais bon, on pourrait refaire la game pendant longtemps. Tous les cas, la victoire est bien du côté des KT Rollster, qui sont les premiers à avoir fait tomber Genji en LCK cette année. Et cette game 3. MVP ? Il y a quand même un monde où c'est Billy qui le récupère de nouveau. Mais bon. Ouais, le Smolder a été précieux, le Maokai aussi en vrai. Il fait du gros gros travail. Le catch qu'il fait au niveau de la T1, mid sur le Kennen, justement. Où il flash rapidement, il réussit à le réceptionner, à le valider. Sans Smolder, il n'y a pas grand-chose de tout ça, justement pas. Mm-hmm. Donc bon, on va voir de toute façon de quel côté ça va partir. Mais en vrai, ce serait bien qu'il y ait un autre joueur que BD qui le récupère, pour la simple bonne raison d'avoir deux personnes à l'interview. Plutôt qu'une, c'est toujours sympa. Ouais. Après, pour la Game 2, il n'y a pas de débat. BD a vraiment été exceptionnel. Ouais. Donc il y a un monde où c'est Piosic qui le récupère. De toute façon, au moment de la célébration, on a vu qu'ils sont tous tournés vers Piosic. Donc je ne sais pas exactement à quel point il a call dans la game et à quel point il avait le... Même, j'avais jeté un œil au scoreboard, il avait un gros KDA. Il était vraiment au four et au moulin. T'as même Beryl qui termine quand même la game en 4-0-12 avec H support. Il pourrait aussi y toucher, parce que H support, il y a pas mal de fois, il a utilisé son flash et tout. Mm-hmm. Kalista aide avec le rappel du destin, ne pas mourir, mais quand même. Non, c'est beau. C'est vraiment beau ce qui a été fait. Ici. Et du coup, pour les KT, on a déjà passé le classement, mais est-ce qu'on pourrait le remettre juste pour parler de la situation de KT Rollster actuellement dans la LCK ? Parce qu'on a regardé bien évidemment le 15-1 de Genji, mais plus important, regardez la position de KT Rollster au classement. On est à la 5e place et on était à égalité avec les Kwangdong Freaks et les Phyrex qui se jouent demain. Avec en plus de ça, ils ont perdu qu'une game, donc ils étaient à 20 défaites. Ils étaient, ce que je t'ai dit, c'était 7e. C'est eux qui avaient le plus de défaites. Ouais, ils étaient bien 7e. Ils étaient tout en bas de l'égalité, là. Et ils se retrouvent donc propulsés à cette 5e place. Ah non, ça les met bien. Et du coup, sur la dernière semaine, ils affronteront les DRX et les Damwon. Donc, ils vont sûrement perdre contre les DRX et battre les Damwon. Ah, la phrase de fou. La phrase de fou, mais tellement accurate, genre. Et normalement, arriver à la qualification en play-off. Pour ceux qui se posent la question, vous voyez que les T1 sont en 8-6. Ils ont deux matchs de retard par rapport à KT Rollster. Tout simplement parce que le premier match de cette semaine de T1 sera aujourd'hui, juste après cette pause. Et on a déjà l'information. La feuille de match a été sortie. Faker sera titulaire. Il est censé jouer Faker aujourd'hui. Je voyais des petites questions dans le chat que tout le monde s'est posé, je pense. Mais dans l'idée, il est censé jouer. On va voir. Est-ce qu'il va être sur place, étant donné qu'il a été déclaré qu'il avait le Covid ? Est-ce qu'il va être à distance ? Sûrement. De toute façon, dans quelques instants, là, normalement, MVP, puis interview, pause, et on aura le cœur. Ouais, tu vois, c'est plus aussi. Faker. Je pense qu'il fait une bonne game, et vu la célébration des joueurs qui se tournent tous vers leur jungler pour le féliciter, il a dû avoir une importance absolument colossale dans le vocal. Et il fait une grosse game, on peut le récompenser. Ah non, pas douter. Si les KT jouaient toujours à ce niveau, qu'est-ce qui serait fort, mais en même temps, ce serait pas KT. Hein. Très réel. L'équipe qui... Dans l'adversité. Oh là là. Ouais. De toute façon, leur chemin est toujours semé d'embûches. Avec des wards, avec un parcours absolument dingue à avoir fait. Tout ça. Gaming avait été très fort lors des derniers Worlds du côté de... Ouais. Du côté de KT. Ok. On voit... Worlds. 4 votes pour... BDD. Pour BDD. Le reste pour Piosic. Ouais. Non, c'est big. C'est big. Du coup, on aura Piosic et BDD à l'interview. Alors bon, c'est bien d'avoir Piosic en interview parce que je pense que celui qui parle le plus et qui est le plus expressif après ce genre de victoire, c'est Piosic. Hein. C'est clairement Piosic. Et puis Jungle Mid, c'est toujours bien d'avoir l'un et l'autre. Ils ont une belle vision du BO, je pense. Mm-hmm. C'est comme quand t'as les deux de la bot lane ensemble, c'est toujours sympa aussi. Donc, très cool. Voilà. Et on nous dit que l'interview est prête, donc on va justement vous laisser avec le mid jungle des KT Rollster après leur victoire. Après la pause, du coup, d'ici une petite demi-heure, on aura le T1 face à Nongshim, donc on se dit à tout à l'heure.
BDD and Pilsic. In the match between Genji and KT Rooster, KT not only secured a match victory, they also handed Genji their first loss of the summer season. Congratulations! The KT Rooster reached an impressive peak today. How do you feel about defeating Genji, who were on an undefeated streak so far? Well, you know, considering our previous match, you know, our performance was very, very, you know, low. Also, our playoffs kind of destiny was, to be honest, unsure, so I was pretty worried, but today we made it happen. I am so glad that we pulled it off. Yeah, same. We were on a two-match winning streak, so we were definitely going through a very hard time, but thanks to all the hard work from the team, we managed to bounce back and get a win today. BDD, KT Rooster is the only LCK team to defeat Genji this year in the LCK. Last time you defeat them was Spring Split Round 1, and that's the, after that match, Genji started off a 29-match winning streak. How did you make it happen again? I mean, I don't know how it happened, you know, like, I can't look for a specific reason, but I think definitely today was a better day for us, and we were feeling a lot better, and we were performing better. And it's a 2-1 victory. You guys dropped first game, but bounced back and got two wins in a row. I think especially game number one, Aurora was the key pick. So I want to know your thoughts behind this champion and why did you let it through? So Perfect played a lot of Aurora-Gnar matchup, and he was confident that we can let them take it and deal with it with a Gnar pick, but obviously it didn't work. And BDD in game 2, you had an incredible performance on Corki. So how do you view the laning phase against Midraven? Well, I'm not that familiar with the matchup because Chovy is the only player that actually plays Draven in the mid lane, and I sometimes even watched his stream and it looked pretty difficult, but today our bottom duo did a fantastic job winning the lane, so I was able to get some help from them as well. And then in the third game, you were the first pick to play Smolder in the mid lane. We heard you were practicing it a lot in solo queue though. What kind of research did you do against Corki? Actually, I haven't played any game against Corki, and it was definitely not easy. But my teammates made sure that they are buying time for me, especially for the Smolder to scale. I think the synergy with Gnar's ultimate looked great. How did you feel to use this combination in this game? I mean, we were not looking for that combo. It's just really strong in the late game. And Pusik, game 3. KT had 380 carries in their comp, and also the opponents also went for a Lucian Nami bottom duo. And the early lane swap caused some trouble for KT. So as a jungler, how did you handle this situation? Yeah, because of the lane swap, we were losing a little bit early on. So I was just reminding them to be careful, and you know, we cannot really help what's already happened. So I told them to wait until I hit level 6, and I managed to kind of help out the teammates. Now let's take a look at this replay where KT Rooster turned everything around. Cannon was in a perfect flank angle, but you guys managed to survive, even get a kill onto Cannon, and then secure the Baron. Well, even before the game started, while we were loading, we were just saying, you know, their win condition is, you know, Cannon's flank. So we always kept that in mind. We were always aware of that. We always had our fingers ready, right on top of the buttons that we have to press when Cannon jumps on top of us, and our reaction was really on point in this game. In the final team fight as well, Cannon attempted another engage like that. So after reacting to that play, you guys managed to take down all of the opponents and rush towards enemy's nexus. Everyone was very excited.
And then Death also mentioning, you know, they were losing a bit early on in the laning phase, but everyone else was like, what we want anyway, you know? But Pusik, you also said, what is this? So why were you so confused about the win? I mean, if you rewatch the situation, it's pretty fun. And the fact that we just beat Gen G, you know, it's crazy. Didi, what about you? How did you feel right after that win? Yeah, I mean, somehow we all found the situation very funny, so we were all just laughing it off. And we were really, really happy and proud of ourselves. And after the last game, all the coaching staffs jumped to the stage and hugged the players. Did they also give you any compliments? Like, yeah, you did a great job, you know, great job, everyone. Now, there are only two matches remaining in the regular season. In the last week of the LCK, you will face DRX and then D plus Kia in the Saturday showdown. What are your resolutions for these matches? I mean, we did take down, you know, the top team in the LCK, but still, the next match is looking pretty dicey, so I want to just make sure that we maintain this form and, you know, display the best performance. Just like BDD said, you know, I hope you can get a big confidence boost based on the win today and then keep winning the remaining matches. And this will be the end of the interview from POSIC BDD and back to the space. Thank you. Thank you very much, Jisun, as it was great to hear.